Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au CUM. Nous sommes absolument ravis et très honorés d'accueillir aujourd'hui Michel Onfray dans le cadre du cycle édition spéciale animé par Éric Nolot. Le thème de la rencontre, c'est philosopher par temps de crise. Évidemment, l'époque s'y prête. Nous sommes très très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui et je sais que vous êtes très impatients d'entendre Michel Onfray, donc je vais lui laisser la parole ainsi qu'à Éric Nolot. Je leur souhaite à tous les deux la bienvenue de la part de Christian Estrosi, député maire de Nice, et je vous souhaite une très belle conférence. Merci. Merci à Karine Marin. Bonjour à tous et merci, là c'est évident, ça saute aux yeux, merci de votre fidélité à ces éditions spéciales dont l'invité aujourd'hui est donc Michel Onfray. Alors on avait fini par s'habituer en France à des philosophes qui n'écrivaient pas la moindre ligne de philosophie, ça s'appelait les nouveaux philosophes. C'était un peu le même principe que la nouvelle cuisine, c'est-à-dire que l'assiette restait aussi large mais le contenu diminuait au fil des années. Et apparu Michel Onfray, alors là c'est le contraire, c'est que l'assiette a plutôt tendance à déborder. On en est à 80 livres publiés. Je me suis laissé dire qu'il y en avait même quelques-uns qui étaient tout près, donc on va approcher tout doucement de la centaine, et ce sont des livres souvent assez copieux, et le dernier en date, si j'ose dire, vous n'avez rien publié depuis, il y en a qui m'auraient échappé, non, voilà, c'est Cosmos qui ne fait pas exception à la règle. Alors première question pour vous, Michel, très général, on parle de philosophe, est-ce que vous pouvez situer le moment où vous êtes devenu philosophe? Est-ce que c'est le premier cours de philosophie que vous avez suivi? Est-ce que c'est le premier ouvrage que vous avez publié? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes devenu philosophe? Est-ce qu'on peut le dater? Merci Eric pour vos questions. Merci à vous d'être là si nombreux. Je dirais que nous naissons tous philosophes et seuls quelques-uns le demeurent. Donc il n'y a pas de date de naissance qui nous permettrait de dire je suis devenu philosophe à ce moment-là. Disons qu'il n'y a pas une date qui me permettrait de dire que j'ai cessé de l'être. Donc les enfants, dès qu'ils sont dans le langage, et même pas forcément dans le langage, mais quand le langage nous permet de savoir un peu ce qui se passe dans leur tête, je ne suis pas père de famille, enfin pas que je sache, mais je veux dire, quand je vois les enfants, je les vois dans un rapport au monde qui est un rapport questionnant, interrogeant, et il y a la matière à la philosophie, là, au comportement philosophique. Donc on se pose des questions quand on est enfant, tout le monde s'est posé des questions en se demandant pourquoi la mer est bleue, pourquoi l'eau mouille, pourquoi la nuit c'est noir, pourquoi on meurt, qu'est-ce qui se passe après la mort. Et les enfants se posent des questions et les parents répondent, aident à la réponse. L'école jadis permettait d'aider à la réponse. Aujourd'hui on dit va voir ta tablette. Et on va y revenir. Voilà. Et il y a toutes les réponses possibles, fais ton choix mon chéri. Et puis à un moment donné où on s'entend dire parfois par des parents ou par des éducateurs qu'on ne sait pas, c'est comme ça, il faut arrêter de poser des questions. Et il arrive un moment où à l'école, on nous demande d'apprendre des réponses aux questions qu'on ne se pose pas. D'accord. Donc on dit il va falloir apprendre le débit de la Loire. Jamais un enfant ne se lève le matin en disant quel est le débit de ce fleuve devant lequel nous nous trouvons ou quelle est la production de charbon de la Russie. Personne ne se pose ces questions-là. Or, on nous demande d'apprendre les réponses. Réponses qu'on oublie aussi vite qu'on les a régurgitées pour avoir l'examen, le diplôme, le passage en classe supérieure ou ce genre de choses. Donc il y a un moment donné où nous avons tous renoncé aux questions, où nous avons accepté le principe d'apprendre des réponses à des questions que nous ne nous posions pas ou plus, ou qu'on ne se serait jamais posé, et quelques-uns demeurent et se disent « mais moi j'ai toujours envie de savoir pourquoi les choses sont ainsi ». Et donc j'ai toujours été dans cet état d'esprit, aussi loin que je remonte, je posais toujours des questions, ça énervait d'ailleurs un peu mes parents, qui se demandaient pourquoi, je posais toujours des questions comme ça, et je dis bah, « tu me poses des questions aussi toi », en me disant « pourquoi tu poses toujours des questions ?» On ne sortira jamais. Quoi. Donc il y a un moment donné où mes parents étaient modestes intellectuellement, et je ne pouvais pas obtenir d'eux les réponses que je pouvais attendre, donc les livres me sont apparus, et à ce moment-là je me suis dit « mais il y a un univers extraordinaire ». Donc il y a un moment où on lit, puis il y a un moment où on écrit, alors le moment où on devient philosophe, au sens classique du terme, c'est probablement la première fois que quelqu'un nous présente comme tel. Un jour, on m'a dit, mais je vous présente comment? 89, 90, je venais d'écrire Le ventre des philosophes, Cynisme, et puis un livre sur Georges Palante, et on me dit, je dis quoi, philosophe ou écrivain? Je dis, mais philosophe, c'est drôle, quoi. Et puis quand on a dit Michel Onfray, philosophe, puis Michel Onfray, philosophe, on se fait à l'idée donc, qu'on pourrait être philosophe, mais je persiste à croire qu'au-delà du naturel philosophique,
On est vraiment philosophe quand on est dans la quête d'une sagesse concrète, existentielle, vraiment incarnée au quotidien. Donc on est tout à fait le propos de Cosmos. Oui, c'est une proposition, et pour les autres et pour moi, mais une proposition pour mener une vie philosophique. Et je pense que ce qui fait pour le coup vraiment non plus l'esprit philosophique, mais la vie philosophique qui pour moi définit le philosophe, c'est la décision à un moment donné qu'on va vivre en philosophie. Et ça, ça peut être daté. Peut-être même je pourrais trouver un jour une date, une heure. C'est la rencontre avec Lucien Gerfagnon, qui est mon professeur de philosophie antique à l'université de Caen. Et j'assiste à son cours et je me dis, je veux devenir ça. Enfin, je ne veux pas devenir professeur de philosophie, mais je veux, à l'université encore moins, j'étais loin d'imaginer des choses pareilles pour moi. Je voulais être chauffeur de train, moi, à l'époque, donc il n'était pas question que je devienne professeur de philosophie à l'université, mais je voulais être cet homme qui était un contemporain de la sagesse antique, qui aurait pu tutoyer Diogène, Aristippe ou Socrate. Et je me suis dit, après, je ne sais pas ce que je deviendrai, je suis devenu enseignant dans un lycée technique. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la vie philosophique, pas les livres. Les livres sont des moments dans une vie philosophique, c'est pas essentiel, mais ce sont des moments pour faire le point avec soi-même. Et puis je prends à témoin après les lecteurs pour dire, moi je m'en suis sorti parce que Gerfagnon m'a fait des propositions de lecture, et je pense que les livres peuvent sauver, donc j'écris des livres pour me sauver et puis pour sauver ceux qui souhaiteraient l'être aussi. Alors on va revenir sur la question de l'école que vous avez évoquée en passant, mais une autre précision, philosophe de gauche, mais pas n'importe quelle gauche, comment vous définiriez votre gauche ? Oui, le problème avec la gauche, c'est que la plupart du temps, on voudrait la raisonner, la faire rentrer dans des tiroirs, et qu'en France, c'est pas compliqué. Si on ne soutient pas Hollande, si on ne soutient pas Mélenchon, si on ne soutient pas Pierre Laurent, si on ne soutient pas Besancenot... Ce qui est votre cas. C'est mon cas. Eh bien, on n'est pas de gauche. Et si on n'est pas de gauche, on est de droite. Donc c'est vite fait. Alors comment faites-vous ? Alors, je persiste à croire qu'il y a... ce que j'ai appelé dans la politique du rebelle une mystique de gauche. Entendez-vous bien, je ne suis pas un mystique, mais je pense qu'il y a une force généreuse à gauche. Je ne dis pas que la générosité n'est jamais à droite, mais je veux dire une force généreuse qui fait que quand on a sorti les enfants des mines, ça ne s'est pas fait parce que la droite le demandait. Quand on a considéré que les enfants c'était mieux à l'école qu'au travail, c'est pas la droite qui l'a demandé. Parce qu'à l'époque, les maîtres de forge disaient mais on va effondrer l'économie, on a besoin de main d'œuvre, etc. Quand on a produit des réflexions sur le divorce, sur une famille qui soit liée plus par l'amour que par l'argent, etc. Ça s'est fait à gauche pendant la Révolution française. Donc il y a dans l'histoire des idées des gens qui ont voulu ce qu'on pourrait appeler du progrès. Je persiste à croire à ce mot-là, et effectivement, je pense que l'abolition de la peine de mort, c'est un progrès. Contraception, avortement, etc., c'est un progrès, etc. Enfin, mille choses sont des progrès, et que ces combats-là n'ont jamais été menés par la droite. La gauche a l'idéal, mais il lui manque le sens des réalités. Et ce qui est intéressant dans la droite, c'est qu'elle a le sens des réalités, mais qu'il lui manque souvent l'idéal. Et qu'il faudrait les deux. C'est-à-dire qu'il faudrait que la gauche soit tempérée par une droite qui lui enseignerait le pragmatisme et que la droite soit aussi tempérée par une gauche qui lui enseignerait l'idéal. Donc moi j'essaie d'être un homme de gauche qui prend dans la droite ce qu'il y a de plus intéressant, c'est-à-dire le souci du réel, le refus de l'idéologie. Ça marche ou ça marche pas ? C'est possible ou c'est pas possible ? Il y a une réalité, il n'y a pas que de l'idéologie, si on fait ceci, on va obtenir cela, si on obtient cela, ça ne marchera pas. Et les autres qui disent non, c'est comme ça, l'idéologie doit faire la loi, et si l'économie ne suit pas, eh bien c'est le problème de l'économie, ce n'est pas le problème de l'idéologie. Ce que disait Brecht, quand il y a un problème avec le peuple, on change de peuple, quoi. Eh bien non, on ne change pas de peuple, parce que le peuple, il est là, et qu'il faut composer avec. Donc, il y a eu des moments dans la gauche, le Front populaire par exemple, ou mai 68, enfin, qui ont été des occasions d'incarner cette mystique de gauche. C'est pas la droite qui demande la réduction du temps de travail, c'est pas la droite qui demande l'augmentation des salaires, c'est pas la droite qui demande les congés payés. Il se fait qu'aujourd'hui la droite consent à tout ça, que la droite ne veut pas revenir sur l'abolition de la peine de mort. Et c'est très bien, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a parfois même une confusion entre droite et gauche aujourd'hui, mais il y a eu dans l'histoire de la gauche, disons de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre de progrès qui ont élargi les libertés et qui font que je me sens de ce camp-là. Maintenant, je ne me sens pas du côté de la gauche des barbelés, de la gauche qui justifie les camps, de la gauche marxiste et idéologue. Je ne justifie pas les régimes totalitaires sous prétexte que c'est un moment nécessaire avant le paradis qui ne manquera pas d'arriver. Donc effectivement, je ne souscris pas à cette gauche-là. Alors je ne parle plus du tout
de cette gauche libérale aujourd'hui, qui est plutôt libérale que de gauche. Et nous en parlions tout à l'heure pendant le déjeuner, mais une gauche qui nous dit qu'il faut que les femmes pauvres puissent louer leur utérus aux riches qui vont pouvoir y implanter leurs embryons. On parlait de la GPA. La gestation pour autrui. Et je me dis, si effectivement la gauche c'est ça, alors je ne suis plus de gauche. Ça me paraît évident. Quand Pierre Berger nous dit que c'est exactement la même chose pour une femme de louer son utérus que pour une autre de louer sa force de travail comme caissière, je me dis, c'est un homme qui dit qu'il est de gauche qui nous dit une chose comme ça. Donc j'ai dit récemment dans un entretien que Pierre Berger, c'était Berlusconi, la vulgarité en plus. Mais j'ai déjà eu beaucoup d'ennuis avec Pierre Berger, vous oui. arrangez pas non, mes affaires. Moi. J'assume juste la phrase sur le personnage. Mais je me dis effectivement que je ne peux pas souscrire à cette gauche-là. Moi qui suis fils d'ouvrier agricole et d'une femme de ménage, je m'en suis sorti parce que l'école m'a permis de m'en sortir. On m'a appris à lire, à écrire, à compter, à penser. On m'a appris le goût des livres, le goût du savoir. Et je me dis, l'école ne fait plus ça aujourd'hui. Et c'est la gauche qui fait que l'école ne fait plus ça. C'est terrible. C'est-à-dire que l'école, elle était méritocratique. Et moi, j'étais boursier de l'éducation nationale. Voilà pourquoi j'ai le sens du fonctionnaire, de l'impôt, et que je défends ces choses-là. Je n'aurais pas pu faire d'études si je n'avais pas eu de bourse de l'enseignement supérieur, et même avant de bourse pour aller au collège et au lycée. Donc je me dis, à cette époque, la gauche tablait sur l'éducation en disant on doit pouvoir sortir les meilleurs. Et les meilleurs, ils peuvent être fils d'ouvriers. Et puis s'ils sont fils de banquiers qui ne sont pas les meilleurs, ce n'est pas grave. Il y aura un autre. Les parents pistonneront leurs enfants, les banquiers, et puis ils s'en sortiront toujours. Mais au moins, on faisait une élite républicaine à partir du peuple. Et l'école, quand elle était de gauche, fabriquait une élite républicaine à partir du peuple. Et j'estime qu'elle faisait alors son travail. Elle ne le fait plus. Donc effectivement, cette gauche-là n'est plus la mienne. Enfin, cette gauche au pouvoir n'est plus ma gauche. Et parfois, je préfère souscrire à des idées de droite qui me paraissent justes. Je l'ai dit et ça m'a valu des foudres. Je dis, mais si quelqu'un... Du Premier ministre. Oui, qui ne vous a pas bien écouté, il faut reconnaître. Qui m'avait surtout pas lu. Oui, surtout, oui. Mais, enfin, on lui a mal fait sa fiche, pour être voilà, plus précis. Et qui voilà. S'est contenté de lire une fiche, parce que je crois qu'au-delà de 140 signes, c'est trop compliqué pour lui. Mais donc... il y a des soutiens à Manuel Valls. Non, ça ne doit pas être énorme. Non. si c'est représentatif du pays, ça ne doit pas être énorme. Et donc, je dis, mon problème n'est pas de savoir si c'est quelqu'un de gauche qui parle ou quelqu'un de droite. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Et si c'est juste, si c'est vrai et que c'est quelqu'un de droite, tant mieux, bravo. Et voilà. Et je suis donc de gauche et je préfère un homme de droite qui dit une chose intelligente à un homme de gauche qui dit des bêtises. Et je suis athée, mais je préfère un curé qui dit des choses intelligentes à un athée qui dit des choses imbéciles. Et pour moi, ce serait même aussi une définition de la gauche. C'est-à-dire ne pas être prisonnier de cet idéal progressiste qui fait que si l'idéal progressiste génère des injustices, alors ce n'est pas défendable. Et si un comportement dont on dira qu'il est de droite génère de la justice, eh bien je défendrai ce comportement-là. Alors appliquons votre pensée à l'actualité, justement à l'actualité scolaire. Il y a une querelle assez vive entre la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et certains intellectuels. Alors, la querelle se cristallise sur certains points précis, la suppression des classes bilingues, la bilingue, la place du latin. Mais plus généralement, elle veut en finir, c'est ce qu'elle dit, c'est une ministre de gauche, avec l'élitisme de l'école. Quelle est votre position sur ce point précis? Puisque vous avez rappelé votre propre parcours, qui est celui d'un fils de pauvre, voilà, qui s'en est sorti grâce à l'école. Exactement. Et grâce à l'impôt. C'est-à-dire à la possibilité de financer ses études, même si je travaillais pour ça. Mais enfin, j'ai pu faire des études parce que les gens à qui on avait ponctionné des impôts ont rendu possible les études d'enfants méritants. C'est comme ça qu'on disait. Vous l'avez bien rendu à la communauté depuis, il me semble. J'espère. Et c'est un bonheur de rendre. J'aime bien la gratitude. Je trouve que notre époque est très ingrate. Mais j'aime bien la gratitude. Se souvenir qu'on a été aidé, aimé, soutenu, porté... Moi, j'ai pleuré en lisant, et je pense que je vous ferai pleurer en lisant les pages que Camus consacre à son instituteur dans Le Premier Homme. Bien sûr. Les moments extraordinaires de l'instituteur qui va voir la mère de Camus. Son père est mort à la guerre 14-18. La mère est un peu illettrée, un peu demeurée. Donc, c'est à la grand-mère qu'il s'adresse. Et il dit, voilà, votre fils est intelligent. Il faudrait qu'il prépare les bourses, qu'il devienne boursier, qu'il fasse des études. Et il dit ça à la grand-mère et il dit oui, d'accord, bon. Alors dit donc je vais lui faire cours gratuitement, comme je fais cours. Il ne dit pas gratuitement, mais enfin, c'est moi qui ajoute. Mais l'instituteur ne dit pas je vais te payer en heures supplémentaires. Simplement, l'instituteur prend les bons élèves après ses cours et prépare les enfants.
au concours de boursier. Et elle dit oui, la grand-mère, un peu débordée par l'information. Puis l'instituteur s'en va et elle lui court après en lui disant, au fait, je vous ai dit, mais on va pas pouvoir vous payer. Et l'instituteur dit, il m'a déjà payé. Donc il y a des choses comme ça, Monsieur Germain, c'est quelque chose qui fait pleurer. Le père de Camus est mort à la guerre, la Première Guerre mondiale. Louis Germain avait fait la Première Guerre. Il était rentré vivant et il lit à un moment donné les Croix de Bois de Dorgelès en classe. Et Camus est là au premier rang, il lit ce texte-là parce qu'en fin de trimestre, on lisait des histoires. C'était aussi une façon d'initier à la littérature. Et Camus pleure, le petit garçon pleure parce que d'un seul coup il découvre ce que son père a vécu, et Louis Germain va mettre le livre au fond de la classe. Tel que Camus raconte la chose, on a l'impression que peut-être Louis Germain écrase lui aussi une larme, et on ne sait pas, mais c'est suffisamment bien écrit pour qu'on puisse l'imaginer. Et quelques temps plus tard, Camus est devenu Camus et il va voir Louis Germain, et Louis Germain lui dit, il y a quelque chose que je voudrais te donner. Il va chercher Dorgelès, il lui dit, depuis cette époque, ce livre était à toi. Donc je veux dire que des moments comme cela, où quand il passe le concours pour les bourses et qu'il est là avec les 3-4 élèves et que Louis Germain apporte des pains au chocolat à l'instituteur, et que quand on appelle le nom de Camus, il met la main sur la tête de Camus, il lui dit « va mon fils ». Donc des choses comme ça, ça a été vécu. C'est pas de la fiction chez Camus. Et je veux dire que moi j'en ai connu des instituteurs comme ça. J'aurais d'autres histoires à raconter, mais d'une certaine manière, Gère Fagnon a été quelqu'un qui a fonctionné aussi comme ça pour moi. Et je trouve que l'école, elle faisait ça. Et elle ne le fait plus. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un défaut dans le logiciel de cette gauche-là qui confond l'égalité et l'égalitarisme. C'est-à-dire que l'égalité est une bonne chose, l'égalitarisme est la pire des choses. L'égalitarisme, c'est la religion d'égalité. Quand on se contente du texte, les hommes naissent libres et égaux en droit, la liberté et l'égalité, elle est fondée par le droit. Donc on aura toujours des grands, des gros, des gras, des mecs, des vifs, des moins vifs, des gens qui ont l'esprit délié, des gens qui ont moins l'esprit délié, etc. Donc l'inégalité est naturelle. Mais l'inégalité naturelle, elle est compensée par une égalité devant la loi. C'est extraordinaire, et c'est ça être de gauche. Cette gauche-là, d'aujourd'hui, là, elle croit que l'égalitarisme est de couper toutes les têtes pour que tout le monde soit à la même hauteur. Et par définition, on ne coupe pas les têtes à la moyenne, on coupe à la hauteur la plus basse. C'est-à-dire qu'on tire vers le plus bas en considérant que comme ça, tout le monde sera semblable à tout le monde. Il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles, on réfléchit sur le genre, réfléchit n'est pas forcément le mot qu'il faudrait utiliser, mais on théorise sur ceci ou sur cela, enfin, bon, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, et solution miracle, la tablette. L'apprentissage du langage informatique. Mais a-t-on besoin d'avoir fait un CAP de mécanicien pour savoir comment fonctionne un moteur le jour où on passe son permis de conduire ? Non, si personne n'est capable d'expliquer pourquoi admission, échappement, etc., ce qui se passe dans un moteur. Et pourtant, on peut bien conduire une voiture ou une moto, je crois savoir. Référence à notre Omer de Nice, j'imagine. Voilà qui fut motard haut de gamme. Dans une autre vie. Voilà. Et donc, je pense que l'apprentissage du langage informatique est une fiction. On n'a pas besoin d'apprendre le langage informatique, on a besoin de le maîtriser, ce langage, et on n'a pas besoin d'apprendre ce qu'on sait déjà. Les enfants savent déjà très vite et très tôt utiliser une tablette tactile. On sait très bien qu'on voit des gamins de 3 ans, ils s'emparent de notre iPhone et d'un seul coup, ils ont trouvé des applications, des choses, on ne savait même pas que ça existait sur notre iPhone, et ils ont trouvé des trucs, ils sont en train de jouer. Et ils ont... Donc on se dit, effectivement, il y a une génération qui est de plein pied avec cette technologie. Donc pas besoin de perdre du temps à apprendre cette technologie. Je persiste à croire qu'on doit pouvoir retrouver ce qui faisait l'esprit de l'éducation de jadis. Je songe à... Il y a une dame qui me dit un jour, j'ai trouvé un livre qui a appartenu à votre père dans une brocante, et c'était effectivement le livre de lecture qu'on utilisait à l'école primaire. Et il y avait de fait le nom de mon père, son nom, son prénom, le nom du village, Chambois, Orne, le département, et j'ai bien reconnu son écriture déjà. Et je me suis dit, voilà ce que mon père lisait quand il a appris à lire. Mon père, il a dû quitter l'école à 12 ou 13 ans. On lui apprenait à lire à partir de textes de Chateaubriand, de Georges Sand, de Victor Hugo. Mon père connaissait des poèmes de Victor Hugo. Mon père connaissait La Fontaine, des vers de La Fontaine. Mon père connaissait des vers de Corneille. Et c'était l'école primaire distribuée à des enfants qui avaient pas au-delà de 12 ou 13 ans. On enseignait un certain nombre de valeurs et de vertus.
Régulus, par exemple, ce général romain qui a combattu contre les Carthaginois et qui, alors évidemment, c'est Carthage, c'est Rome, c'est Carthage, c'est Rome, il est prisonnier de Carthage, et il dit aux Carthaginois, laissez-moi aller à Paris, en France, et je vais négocier la paix. Et j'obtiendrai la paix. Si je n'obtiens pas la paix, je reviens et je retourne en prison. Il vient à Rome, il négocie la paix, le Sénat n'obtient pas la paix. Qu'est-ce qu'il fait, Régulus ? Il repart à Carthage parce qu'il est loyal. Et on fait une leçon, c'était un texte de Chateaubriand, on fait une leçon en primaire avec un texte de Chateaubriand sur Régulus et sur la question de la loyauté. Ça me paraît nettement plus intéressant comme type de valeur à transmettre à des enfants. D'abord, on apprend un beau style, on apprend l'écriture, on voit qu'on peut faire de belles choses avec la langue française, alors le style de Chateaubriand. On apprend ensuite le beau style en morale, en disant, j'imagine aujourd'hui quelqu'un qui arriverait, qui dirait bah, qu'il allait se faire foutre, hein, je peux retourner à Carthage, moi. Et ça va comme ça, et l'affaire est réglée, et puis les promesses n'engagent que ceux qui les croient, etc. Quoi. Là, on se dit non, on a dit, le problème, c'est pas de savoir s'il y a la police qui vient vous chercher, si on vient. Non, on a dit, on s'est engagé, on tient sa parole. Quoi. Donc je pense qu'il faut moderniser tout ça. Il ne faut pas prendre ce livre-là en disant, allez hop, on vous inflige ça tout de suite dans les classes. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses à enseigner à des enfants, simplement parce que la société suppose une règle du jeu. Et cette façon de dire « toute règle du jeu enseignée est un fascisme », parce que dès qu'on commence à dire « pas de règle du jeu », c'est la loi de la jungle qui va faire la loi. Et donc, effectivement, il vaut mieux qu'on dise « il y a une règle du jeu », elle est extrêmement simple. Moi, je pense que la morale, c'est juste un mot, c'est autrui. C'est l'existence d'autrui. Tu n'es pas tout seul. Quand tu téléphones dans un train, quand tu es dans une file d'attente, quand tu es en train d'acheter tes légumes ou je ne sais quoi, tu n'es pas tout seul dans la vie. Il y a autrui, l'existence d'autrui. Et je pense que sur des règles communes comme celle-ci, on pourrait trouver matière à faire des livres de morale qui ne soient pas de la morale moralisatrice, mais qui permettraient d'avoir un assentiment général. Je vois mal des Français, enfin je vois bien lesquels et les mêmes, mais une minorité qui dirait non, fascisme, etc., roman national, donc roman fasciste, etc. Non, on doit pouvoir enseigner des valeurs, des vertus, une histoire, des écrivains, des auteurs. Ça changera. 15 ans plus tard, on n'enseigne pas forcément le même auteur parce qu'on a surévalué un tel et on a sous-évalué tel autre. François Coppée est un grand écrivain au XIXe siècle, puis personne ne sait qui c'est aujourd'hui. Et on ne parle pas beaucoup de Zola tout au départ, et aujourd'hui, il fait partie des auteurs absolus. Donc je crois qu'un programme scolaire, aujourd'hui, pourrait être fait à gauche dans le sens de l'élitisme républicain, dans le sens de la méritocratie, qui suppose qu'on exerce, ou qu'on réalise du moins l'égalité par la loi. Et je pense que quand on est dans la logique de l'égalitarisme, on est faussement dans l'égalité, parce qu'on sait très bien que, Bourdieu aidant, on est dans la logique de la reproduction. C'est-à-dire prétendument la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire que les enfants dans les familles desquelles on parlera correctement le français ou qui regarderont les bons films à la télévision ou qui iront en vacances à Rome et qui visiteront des musées ou dont les parents seront bilingues, eh bien ces enfants-là, ils s'en sortiront. Mais l'école aura mis le pied sur la tête des enfants de pauvres. Et j'estime que quand c'est la gauche qui fait ça, c'est terrible. Alors venons-en à Cosmos. Je vous le disais en privé, je vous le répète maintenant en public. J'ai été très étonné, vous avez été invité assez souvent à la radio, à la télévision, du ton assez tranquille qu'on prend pour vous parler de ce livre, parce que moi, ça fait longtemps que je n'avais pas lu quelque chose d'aussi radical et même d'aussi subversif, je dois dire, puisque vous proposez en fait non seulement une philosophie de vie, de vivre en philosophie, mais de remettre en cause certains fondements qu'on tient maintenant pour sacrés. Alors on va les examiner un par un, pas tous parce que c'est un livre très volumineux, je le disais. Il y a dans votre livre une exaltation de la nature en tant que telle et une exaltation de la vie dans la nature, une exaltation de la vie selon les lois de la nature, dont l'homme, selon vous, s'est un peu trop éloigné. Mais est-ce que, pour prendre le problème à la base, toute l'histoire de la civilisation n'est pas l'histoire d'une émancipation par rapport à l'environnement naturel de la part de l'homme? Vous proposez un peu de refaire le chemin inverse. Oui, vous n'avez pas tort, mais c'est vrai qu'il faudrait voir de plus haut encore en disant, mais parce que votre question y invite, et voir comment les civilisations ont pu fonctionner et comment notre civilisation prend sa place dans ces civilisations. C'est la suite, ça s'appelle décadence, dès à présent. J'ai oublié de préciser que c'est seulement le premier volume d'une trilogie. Et donc, il y a eu, avant le monothéisme, une façon particulière de pratiquer la culture qui était très en relation avec la nature. D'ailleurs, l'étymologie d'agriculture et de culture sont des étymologies semblables. La culture, c'est ce qu'il faut savoir en matière d'agriculture
pour solliciter les dieux de façon à obtenir les bonnes récoltes, les bons fruits, les bons produits, etc. C'est-à-dire c'est ce qui permet la vie. C'est ce qui permet, quand on sait ce qu'il faut faire, voire Virgile ou les autres, pour obtenir du bon miel avec une ruche, pour obtenir du bon blé avec un champ, avec des terres, avec des semences, etc. Et donc, l'agriculture et la culture sont à l'époque associées. Et il y a une dissociation de l'agriculture et de la culture à partir du moment où il y a le monothéisme. C'est-à-dire qu'avant, la vérité du monde est dans le monde. Il y a un dieu de la fertilité, il y a un dieu de la pluie, il y a un dieu du vent, il y a un dieu de la nuit, il y a un dieu de tout ce qu'on voudra, des forces séminales dans le polythéisme. Et on vit dans la nature et la culture n'est jamais que l'art de penser la nature dans laquelle nous nous trouvons. Avec le monothéisme, juif d'abord, chrétien ensuite, musulman pour finir, avec le monothéisme, on nous dit la vérité du monde n'est pas dans le monde, mais la vérité du monde est dans le livre qui dit le monde. Et biblion, ça veut dire, dans la Bible, le livre. C'est terrible. Ça veut dire que s'il y a le livre, on n'a pas besoin d'autres livres. Ou il n'y aura de bons livres que de livres qui nous diront que ce livre est le bon livre. Et le seul livre, d'où la théologie, d'où la patristique, c'est-à-dire les pères de l'Église, les gens qui, 2e, 3e, 4e siècle de notre ère, se mettent à penser à partir du texte. C'est-à-dire qu'on ne pense plus la nature, mais on se met à penser le texte qui dit ce qu'est la nature. Et nous sommes les produits de cette civilisation-là, c'est-à-dire notre civilisation est judéo-chrétienne, quoi qu'on en pense. On peut être athée comme moi et reconnaître qu'effectivement notre civilisation est chrétienne. Alors je vais faire l'analyse de cette civilisation judéo-chrétienne dans le livre suivant. Mais tout se construit à partir d'un Jésus inexistant. Jésus est une fiction qui cristallise un peu comme un oignon, c'est-à-dire quand on enlève les pelures de l'oignon, il y a un moment donné où au milieu de l'oignon, au centre de l'oignon, il n'y a rien. Eh bien, c'est exactement la même chose. Jésus est un prophète annoncé par l'Ancien Testament qui n'est jamais arrivé, mais dont certains ont dit qu'il était arrivé. Quand on a dit qu'il était arrivé, on a dit, eh bien, il est arrivé comme ceci, comme cela, parce que dans l'Ancien Testament, on disait, quand il arrivera, vous le reconnaîtrez à ceci, à cela, etc. Donc les caractères épars de ce qui faisait le prophète, le Messie, dans l'Ancien Testament, se sont trouvés cristallisés dans une figure qu'on a nommée Jésus et qui est une figure invisible. C'est le Logos. Jésus, c'est le logos, c'est-à-dire c'est la raison. Et on va lui donner forme humaine, on va lui donner figure humaine, on va lui donner une aventure humaine, un père, une mère, Jésus, Marie, Joseph, etc., les rois mages, la naissance, Gaspard, Melchior, Balthazar, on fait toute une espèce d'histoire, ça devient ce qu'on appelle l'histoire sainte, et puis c'est une fable qui illustre la peinture et l'art. C'est-à-dire qu'il y a eu un concile extrêmement important avec ce qu'on appelle les iconoclastes ou les iconodules, c'est-à-dire les gens qui étaient pour l'image et les gens qui étaient contre l'image. Est-ce qu'on a le droit de représenter Dieu? Oui. Est-ce qu'on a le droit? Non. Ceux qui disent non sont des iconoclastes. Donc à partir de ce moment-là, les musulmans sont des iconoclastes. On n'a pas le droit de représenter la figure de Dieu. On induit une civilisation quand on dit oui à cette question. Oui, on peut figurer. Parce qu'on finit par raconter toute une mythologie et peinture, littérature, etc., musique, l'opéra, Dante, la Divine Comédie, enfin, toutes les grandes œuvres, jusqu'à Joyce. Toutes les grandes œuvres sont des œuvres qui nous racontent la mythologie. Or, Jésus est une fiction et ça produit une hallucination collective à partir de Constantin qui, lui, convertit la totalité de l'Empire à cette religion. Et avec sa mère, un peu hystérique, Hélène, ils inventent plein de choses. La vraie croix, l'épine, l'endroit où la croix a été plantée, etc., etc. Avec des anachronismes complets. C'est-à-dire, évidemment, à cette époque, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la croix qu'on aurait utilisée si on avait dû crucifier Jésus n'aurait pas été celle-ci, mais une croix de Saint-André précédemment. Enfin, bon, y a plein de choses qui ne marchent pas dans les évangiles. Et il y a quelque chose, et pas seulement dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, les écrits intertestamentaires, les évangiles apocryphes ou ce genre de choses, il n'y a pas une seule description physique de Jésus. Pas une seule. Il n'y a pas un moment où on vous dit il est grand, il est petit, il est blond, il a les yeux clairs, ou il a du ventre, ou il est mince, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de présence physique de Jésus. Il ne mange rien, jamais, que du symbole. Du vin, parce que l'annonciation du sang qui va couler, du pain, parce que c'est le levain et c'est l'annonce de l'Église qui va advenir, et pas du boursin, mais du poisson, pour une raison sémantique particulière, c'est que l'acronyme, enfin les premières lettres qui permettent de dire Jésus-Christ, Sauveur, Fils de Dieu, etc., c'est Christos, et que le poisson en grec, c'est Ictus. Ictus, Christos, ce sont quasiment les mêmes lettres. Donc c'était une façon, à l'époque où le christianisme est une secte,
et qu'elle est persécutée, le poisson, de se reconnaître. On est là en train de parler, je dessine un petit poisson, et puis vous voyez que je dessine un poisson, vous dites « Ah, vous en êtes, oui, j'en suis », etc. Et on évite la persécution. Donc, le poisson, le pain, le vin, c'est éminemment symbolique. Mais pas de loukoum. Il n'y a pas de poulet aux figues. Il n'y a pas de... Enfin, ce qu'on mange quand on est un Palestinien de cette époque-là. Donc, il y a effectivement une absence de Jésus, et c'est sur cette absence physique de Jésus qu'on va construire toute notre civilisation. Et notre civilisation, elle est un pur produit de cette absence. D'où la célébration du logos, de la raison, du concept et la philosophie qui s'en vient nous dire. La vérité du monde, elle est dans ce livre. Le livre, c'est la vérité. Biblion, le livre, allez voir ça. Et depuis que le texte fait la loi, on nous dit ne regardez plus la voûte étoilée, ne regardez plus le monde, lisez le livre. Ouvrez le livre, commentez le livre, commentez le commentaire, glosez la glose, et on vous dit la philosophie, c'est ça. Moyennant quoi, aujourd'hui, on ne regarde plus les choses. On ne les regarde plus parce que d'abord, la vie est devenue trépidante, parce que la technologie nous a séparés du monde, parce que les machines sont devenues des modèles et que nous ressemblons à des machines, nous courons après le modèle machinal, et quand on a des machines, on essaie de les humaniser, une espèce d'étrange perversion, on veut des robots qui ressemblent à des hommes, et on a des hommes qui ressemblent à des robots. Et on n'est plus capable de sentir, de goûter, de toucher, de caresser, d'être dans une relation extrêmement sensuelle au monde. Donc je dis, arrêtons cette façon que nous avons héritée du judéo-christianisme de penser que la vérité du monde, c'est le logos, c'est l'absence d'un corps du Christ, à partir duquel on va construire des fictions pour rendre présentable cette absence. Et aller regarder la nature, aller regarder le monde, aller regarder le mouvement de la mer, aller respirer l'odeur du petit matin qui arrive, aller respirer l'odeur de la terre avant l'orage ou après la pluie ou ce genre de choses, aller regarder les anguilles, goûter le vin que vous allez boire, mais goûtez-le vraiment, le descendez pas comme ça. Ah, il y a un très beau morceau de bravoure sur la dégustation d'un Dom Pérignon. 1921, vous en faites un chapitre voilà, où toute l'histoire de l'humanité est résumée dans un verre de vin. Mais est-ce qu'on peut faire le chemin en arrière? Parce que vous proposez dans ce livre de mener une vie philosophique, c'est-à-dire en fait une contre-vie moderne, mais on voit bien que cette vie philosophique, ça doit être une vie dans la nature. Or, la population mondiale est de plus en plus urbaine. Elle est déjà urbaine majoritairement, elle est de plus en plus urbaine. Est-ce qu'on peut mener une vie philosophique à la ville? C'est difficile. De fait, vous avez raison, moi je connais les deux, c'est-à-dire que j'ai vécu pendant des années dans une sous-préfecture, mais ça reste une ville, enfin ça se prend pour une ville, 14 000 habitants, je suis maintenant à Caen depuis que j'ai perdu ma compagne et que j'ai quitté cette ville, Argentan, mais j'ai une petite maison dans mon village natal qui est dans un bourg, mais c'est quand même la campagne, c'est-à-dire il y a un jardin et il y a dans le jardin matière effectivement à retrouver un vrai contact avec la nature, des odeurs, des parfums, des vibrations d'une certaine manière. On voit chaque jour ce qui pousse, comment ça pousse, ce qui arrive, ce qui part, les pétales qui tombent, les fruits qui arrivent, les couleurs qui changent, les feuilles qui changent de couleur, la durée du jour, la longueur de la nuit. Enfin, toutes ces choses-là, ça se voit beaucoup plus facilement quand on est en contact direct avec la nature. Et de fait, je vis ça comme une contradiction. Il faudrait effectivement dire je vis dans cet endroit-là parce que je dois retrouver l'essentiel. Et l'essentiel, ce serait d'arrêter d'écrire des livres. Ce serait d'arrêter de faire des conférences à Nice. Ce serait d'arrêter d'aller à la télévision. C'est dommage. Non. Il faut arrêter juste après. Après Nice, il faut arrêter. Non, mais je me pose vraiment la question. Et comme je ne suis pas un homme de demi-mesure, je ne peux pas faire les deux en disant je passe le week-end en campagne et ça suffira pour dire que je suis un campagnard. Non, je sais, hélas, que je suis un urbain. Mais je sais que mon éducation a été rurale. Et ça, je sais que c'est une chance et qu'on ne me l'enlèvera pas. Et que plein d'enfants ignorent ça. Et que c'est terrible quand on ne connaît que la banlieue, le bitume, le béton, les gaz d'échappement, quand on ne sait rien du ciel parce que le ciel est toujours saturé par une lumière artificielle et qu'on n'a jamais vu la Voie lactée, quand il y a des crottes de chiens, quand il y a des bagnoles abandonnées, quand il y a des poubelles qui dégobillent, etc. Qu'est-ce qu'on peut savoir de la nature ? Si on ne peut rien savoir de la nature, on ne sait pas quelle place on peut prendre dans la nature. Si on n'a pas une place dans la nature, on devient un sauvageon, comme disait jadis, dans un mot plutôt gentil, Jean-Pierre Chevènement. Et je pense que la coupure qui est la nôtre avec la nature, sous prétexte de retour à la nature, de manger bio, etc., mais ça c'est la nature des urbains,
c'est l'écologie mondaine. C'est l'écologie des pots catalytiques, je dirais, des gens qui pensent que l'écologie, c'est un problème qui se pose uniquement dans les villes. Hélas, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des gens qui n'ont pas le souci de la nature, mais qui encore moins ont le souci du cosmos. C'est-à-dire, c'est bien déjà d'avoir le souci de la nature, mais le cosmos, c'est encore mieux. Parce que là, pour le coup, il y a une espèce de relativité qui surgit et un sentiment du sublime. C'est-à-dire que quand on voit combien tout ça est immense, ordonné, l'étymologie de cosmos, c'est l'ordre. Comment tout ça est ordonné et comment soit là-dedans on compte pour presque rien. Ce sentiment du grand écart entre notre petitesse et la grandeur du cosmos génère un sentiment que j'appelle le sublime. Alors d'aucuns disent ah c'est la religion, etc. Pas du tout. C'est éminemment mécanique. C'est simplement se sentir fragment d'un tout. C'est le travail de la conscience. Et mener une vie philosophique, quand on n'a pas la chance d'être au contact quotidien de la nature, ça peut être ça aussi en permanence. C'est-à-dire y compris en ville ou y compris là avec vous. D'avoir de temps en temps un sentiment qui est le sentiment du sublime. On rentre tous les deux dans cette salle et il y a une présence bienveillante, une attente qui est presque une vibration, il y a quelque chose qui a lieu et qui est de l'ordre de la vibration. Et bien mener une vie philosophique, c'est être à l'écoute de cette vibration-là et en jouir. C'est-à-dire faire quelques mètres et sentir la présence de ceux qui sont là et qui nous font l'amitié d'être venus. Donc oui, il y a une façon de mener la vie philosophique qui passe par la nature et le contact avec la nature. Mais il y a une autre façon aussi qui fait qu'on compose avec notre urbanité, c'est que dans plein de moments dans la journée, des occasions nous sont données d'être sensibles au réel. Des regards, des sensations, des émotions, des perceptions. Tout à l'heure, hein, le petit dos d'une petite fille qui marchait, son père la tenait par la main, cette espèce de fragilité d'une petite fille avec les cheveux blonds qu'elle avait sur les épaules comme ça, elle faisait, je sais pas, 60 cm et elle avançait. L'espèce de beauté de ce spectacle, fugace. Ils ont tourné à un moment dans une rue, je suis allé tout droit. Mais cette présence au monde, elle n'a pas besoin de grand-chose, juste d'une volonté. Et je pense qu'on peut avoir une présence au monde avec la glycine et les roses de son jardin, mais on peut avoir une présence au monde avec les gens, là où ils sont et là où on se trouve. Alors au sujet des thèmes que vous venez d'aborder, il y a parfois quand même des phrases qui font un peu sursauter, je vais vous en citer une. Donc l'événement fondateur, c'est la mort de votre père, vous l'évoquez au tout début du livre, il meurt littéralement dans vos bras, et parlant de votre père, vous écrivez ceci: il m'invitait à la rectitude contre les chemins de traverse, à la droiture contre le zigzag, aux leçons de la culture contre les errances de la aux leçons de la nature contre les errances de la culture, à la vie debout, à la parole pleine, etc. Mais moi, je vous avoue que j'ai un peu sursauté les leçons de la nature contre les errances de la culture. Venant de vous, je trouve que c'est une phrase très surprenante. Oui, que je m'autorise maintenant, parce que je ne veux pas dire que j'ai fait le tour et que j'ai l'âge d'avoir fait le tour. Je veux dire, je vais dans 10 jours donner le dernier cours d'un cycle de 13 années de contre-histoire de la philosophie. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de lecture. Et qu'est-ce que j'ai lu comme conneries ? C'est sidérant, quoi. C'est-à-dire, on se dit, mais les philosophes ont écrit des bêtises. Et des gens qui ne feraient pas ça professionnellement perdraient leur temps. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de culture. Je ne dis pas qu'il faut brûler les bibliothèques. Je n'invite pas aux autodafés, en entendant-nous bien. Non, non. Non, mais parce que vous m'avez lu et vous avez la gentillesse de mais ça a été dit. Donc, a été dit sur vous. Donc, oui. Mais il écrit des livres pour dire qu'il faut brûler les livres. Non, je ne dis pas ça. Je dis, moi qui ai une grosse bibliothèque, je m'en veux d'avoir 20 000 bouquins parce que je me dis, mais sur les 20 000 bouquins que j'ai, il y a quoi ? 40 livres qu'il faudrait garder, vraiment. Et sur les 40 livres à garder, peut-être 4 ou 5 à méditer. Et l'idéal, ce serait peut-être un. Et le sommet, ce serait même de n'en plus avoir besoin, même plus avoir besoin d'aucun livre. Donc je pense que les bons livres sont les livres qui nous ramènent à la nature, les mauvais livres sont les livres qui nous éloignent de la nature. Et en philosophie, hélas, il y a beaucoup de livres qui nous éloignent de la nature. Je ne suis pas sûr que la critique de la raison pure de Kant, et encore quand je dis je ne suis pas sûr, je suis certain, que la critique de la raison pure nous permette de comprendre la nature, et même pas de penser ce que Kant nous disait qu'il allait nous aider à penser, à savoir qu'est-ce que la connaissance, pour le dire comme ça, ou comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles, pour le dire dans son vocabulaire. Même cette question-là, elle n'est pas résolue 500 pages après. L'encyclopédie de Hegel, un certain nombre d'ouvrages qui n'ont aucune utilité existentielle. Alors on peut lire tout ça, hein, c'est bien, Heidegger, être étant, ce genre de choses. On peut lire ça, il n'y a aucun problème. Moi ce qui m'intéresse, ce sera le livre qui va nous métamorphoser.
Les lettres à Lucilius de Sénèque, le manuel d'Épictète, les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, quelques textes comme ça, dont on se dit, après les avoir lus, ma vie n'est plus la même. Donc, oui, je dis, on peut être philosophe comme mon père l'était, sans jamais avoir lu un seul livre de philosophie, et avoir lu presque tous les livres possibles dans son domaine, et ne pas être philosophe. Je songe à nombre de professeurs de philosophie que j'ai eu à l'université, qui étaient extrêmement doctes et savants sur des concepts, des notions, etc., mais qui, dans la vie privée, étaient des catastrophes. Des catastrophes. Je n'entrerai pas dans le détail de ce que je sais, de ce que j'ai su, de ce que j'ai vu de la vie de Lucien Gerfagnon, mais j'ai vu quel fossé il y avait parfois entre l'affectation d'être philosophe chez le professeur et l'incapacité à l'être dans la vie quotidienne. Il se fait que chez mon père, il n'y a jamais eu la prétention à être philosophe. Mon père n'a jamais dit qu'il était spinoziste, il ne savait même pas ce que ça voulait dire, pourtant il l'était. Il était spinoziste sans avoir lu Spinoza parce qu'il savait que la connaissance n'est juste que quand elle libère, quand elle permet de trouver sa bonne place dans le monde. Et que quand on a trouvé sa juste place dans le monde, on connaît quelque chose que Spinoza appelle la joie. Eh bien, mon père l'a connu, sans peut-être mettre de mots sur ce qu'il ressentait, mais il y avait ça sur son visage, sur sa façon d'être, sur sa sérénité, sur sa façon de se déplacer. Et c'est vrai que des années après, mon père partant, je me suis dit, mais il m'a laissé un certain nombre de leçons qui ne passent pas par les livres, mais qui sont bien plus radicales, parce qu'au bout du compte, avec les profs que j'ai eus à la fac, avec le doctorat que j'ai pu faire, avec les livres que moi-même j'ai pu écrire, et dont beaucoup sont très inutiles, avec beaucoup de livres lus et qui ne sont pas forcément des livres utiles à lire, je me dis, mais on perd beaucoup son temps, parce que parfois il vaut mieux deux bonnes maximes bien vécues que 80 livres qui auraient permis d'éviter le monde. Alors je ne dis pas que tous mes livres m'ont permis d'éviter le monde, mais je pense que celui-ci est peut-être le premier qui va voir directement au cœur du monde en disant « Réconciliez-vous avec vous-même si vous voulez vous réconcilier avec le monde », ce qui est la même chose que de dire « Réconciliez-vous avec le monde si vous voulez vous réconcilier avec vous-même ». Ça veut dire ne perdez pas de temps en mauvaise lecture. Ça veut dire n'allez pas lire de mauvais auteurs. Et c'est la même chose avec la poésie. La poésie, c'est magnifique, mais il y a tellement de bêtises suffisantes, prétentieuses, obscures, narcissiques, mégalomanes, enfin les grandes pages blanches avec trois mots et on a l'impression qu'on est mal armé. Tout ça, ça me paraît pas très intéressant. Et quand on lit trois haïkus, on se dit, mais les haïkus de la poésie japonaise, de Basho jusqu'à aujourd'hui, on se dit, mais voilà des gens qui ne peuvent pas faire semblant. Mallarmé peut faire semblant, je pense qu'il a même fait semblant. J'ai eu des conversations, Mallarmé, Valéry, puisqu'on est dans le lieu, qui montrent qu'il y a une espèce d'affectation poétique. On ne peut pas faire un haïku si on n'a pas ressenti ce qui nous permet de l'écrire. Et tous les auteurs de haïku sont des gens qui ont expérimenté le monde d'une certaine manière. Il y a un moment donné où c'est parce qu'on l'expérimente qu'on écrit des haïkus, et c'est parce qu'on écrit des haïkus qu'on l'expérimente. Et cette écriture extrêmement concentrée qui permet de vivre le rapport au monde différemment, ça me paraît bien plus intéressant que cette écriture à peu près illisible, pour reprendre Kant par exemple, de la critique de la raison pure, qui fait que quand on a lu tout ça, on se dit, et après ? Il y avait matière à exploser toute la métaphysique occidentale, et plutôt que d'appuyer sur le détonateur, Kant nous dit, oui, mais enfin, on a besoin de la liberté de Dieu et de la liberté, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Ben, ça s'appelle un postulat, pas besoin de 500 pages pour postuler. Un ticket de métro suffit. Et on se dit, et j'ai lu tout ça avec beaucoup de sueur pour ça, juste pour me dire qu'on pourrait faire des choses, mais on ne les fera pas, parce qu'il n'est pas question de toucher aux trois piliers du christianisme. Et puis on lit un haïku et on se dit, mais voilà, s'il a vécu ça, c'est qu'il a été à l'écoute de ce qui est advenu à ce moment-là, le bruit d'une grenouille qui saute dans l'eau et qui fait ploc. Eh bien, il faut avoir l'oreille pour entendre ça, c'est-à-dire l'intelligence pour entendre ça, et je dis, laissez de côté les livres inutiles et allez voir les livres qui, en philosophie, en poésie, en littérature, je sais que vous êtes un grand amateur de littérature et de romans, moi je suis moins parce que je connais moins, mais il faut aller voir du côté des livres qui, justement, nous reconnectent au monde. Alors, le livre, je le disais, commence par la mort de votre père, par l'hommage que vous rendez à votre père. Vous dites qu'il vous a enseigné quelque chose et fondamental. Et parmi ces choses fondamentales, il y a la place de l'étoile polaire. On sait toujours où on est. Si vous deviez définir votre propre étoile polaire au sens figuré, qu'est-ce que ce serait la lucidité, le devoir de lucidité, la recherche de la vérité ?
C'est un peu difficile de le dire comme ça, parce que ce sont des choses qu'on se propose à soi-même, et dès qu'on en fait la confidence publique, ça passe pour du narcissisme, de l'affectation. Oui, mais je ne suis pas très sûr de consentir à votre proposition. La coïncidence avec moi-même, je dirais, pour répondre sans répondre, tout en répondant. Non, c'est pas mal. C'est toute une vie, quand même, Résultat. Oui. C'est-à-dire la coïncidence avec soi-même, c'est-à-dire... dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, c'est-à-dire penser ce qu'on réalise, réaliser ce qu'on pense, et faire de telle sorte qu'il y ait un maximum de coïncidence entre la théorie et la pratique. Et oui, disons ça comme ça, la coïncidence avec moi-même. Donc ça marche sur tout, quoi. Il n'y a pas une seconde dans la vie quotidienne où on ne soit pas requis par ce projet-là. Il faut que ça soit vécu, en fait, c'est ça le... Moi, je ne crois qu'à ça. C'est-à-dire que quand on commence à aborder l'histoire de la philosophie avec les biographies et les correspondances, alors on ne fait plus du tout la même lecture que ce qu'on nous présente habituellement. Et quand j'ai fait mes études, moi, à l'université, on ne parlait jamais des biographies de philosophes. Descartes n'avait pas de vie, Kant n'avait pas de vie, Nietzsche n'avait pas de vie, ou alors juste un truc, quoi. Nietzsche est devenu fou après une syphilis, Kant faisait tous les jours sa sortie à la même heure, et deux fois il n'a pas fait sa sortie, on s'est demandé s'il n'était pas mort, mais non, 1762, parution du contrat social de Rousseau, et 1789, des nouvelles de la Révolution française. Sinon on disait, ah ben voilà, il passait, et les gens mettaient leur montre à l'heure en disant, tiens, Kant est passé, il est 10h12, mais... Ce n'était pas des anecdotes inutiles. Tout Kant est dans cette anecdote tout de même. Mais effacement complet de la biographie. Et puis, célébration de l'œuvre et rien que l'œuvre. Et le structuralisme, dernière mode philosophique digne de ce nom, je dirais. Vous avez parlé des nouveaux philosophes tout à l'heure, mais la dernière mode philosophique digne de ce nom, les structuralistes nous disent du texte, mais pas de contexte. Vous avez une page, c'est pas besoin de savoir qui l'a écrit, quand, comment, dans quelles circonstances, à quelle époque de sa vie, s'il répond à ceci ou cela, c'est pas un problème. Il suffit de voir ce qu'est l'intérieur de ce texte-là, comment fonctionnent les structures, comment s'agencent les structures, etc. Bon, d'accord. Et puis, on se dit après, mais c'est pas possible de dissocier à ce point le penseur, la pensée, le texte, l'auteur, etc. Mort de l'auteur, nous dit Barthes, Foucault aussi, mort de l'auteur. Mort du scripteur, ou avènement du scripteur, c'est-à-dire quelqu'un qui accessoirement utilise le stylo, mais simplement parce que c'est le ça qui parle en lui. L'inconscient parle en lui, un stylo, puis ça devient une œuvre, mais peu importe le nom de l'auteur. Puisque l'important, c'est le lecteur. Ceci dit, voilà des gens, Foucault et Barthes, qui n'ont jamais transformé leur droit d'auteur en droit du lecteur. On aurait pu imaginer que s'il n'y avait pas d'auteur... Bonne objection. Ah oui, il aurait fallu, pour être cohérent et coïncider avec soi-même, dire puisqu'il n'y a pas d'auteur... Eh bien, je fais de telle sorte que mes droits d'auteur reviennent à mes lecteurs et en conséquence, mes livres seront beaucoup moins chers. Mais ça n'a jamais été le cas. Et donc, ce structuralisme-là procède du christianisme dont je parlais tout à l'heure. Toujours le logos, la raison, au cœur même du texte, il n'y a plus rien. Il y a une structure invisible, indicible, mais elle fait la loi quand même, etc. Et moi, je me suis dit, mais non, un philosophe, il est jeune, il est moins jeune, il est plus âgé, et puis il est vieux, et puis il rencontre des expériences dans son existence, et ce n'est pas la même chose. D'avoir 17 ans et d'avoir 27, puis 37, puis 47, puis 57, etc. Donc c'est important de mettre le texte en rapport avec son contexte et le contexte avec la vie du philosophe et la vie du philosophe en relation avec son époque. Ça me paraît élémentaire à dire. Et pourtant non. Et pourtant non, puisqu'on persiste à dire que l'œuvre de Sartre n'a rien à voir avec la biographie de Sartre. Oui, ils ont intérêt, effectivement, ces gens-là, à nous dire que la biographie de Sartre n'est pas intéressante, parce que si on s'y intéresse, on découvre des choses terribles. Eh oui. J'ai eu les confidences de quelqu'un qui avait été du fils de quelqu'un qui avait été l'élève de Jean-Paul Sartre au lycée du Havre. J'oublie son nom d'un seul coup, mais il était ministre du général de Gaulle. Ça me reviendra peut-être. Mais eh bien, Jean-Paul Sartre faisait l'éloge d'Adolf Hitler dans ses cours en 1933. Donc effectivement, voilà l'aveuglement de Jean-Paul Sartre à cette époque-là, de Chartres, Emmanuel de Chartres, et c'est son fils Philippe qui m'avait raconté l'histoire, et je devais l'entendre. C'était déjà lourd, mais là, c'est une pièce absolument. Qui fait mal. Là. Je devais l'entendre de mon oreille et on avait pris rendez-vous. Il a été hospitalisé, puis il est décédé, on ne s'est pas vu. Mais je sais que son fils ne ment pas, et, comme la terre. Et qu'effectivement, de 1933 jusqu'à la fin, Sartre s'est trompé tout le temps. En 1941, il écrit dans un journal collabo. En 1944, il écrit encore dans ce journal collabo. En 1943, ce journal collabo dit qu'il est le plus grand auteur de l'année. En 1944, Simone de Beauvoir travaille à Radio Vichy. Etc. Donc effectivement, il y a un moment donné où quand on écrit sur la résistance, sur l'engagement, qu'on n'a pas résisté, qu'on ne s'est pas engagé, eh bien le livre tombe à l'eau.
Pour moi, ça n'a aucun intérêt, un livre qui n'a pas été suivi des faits, voire un livre qui défend le contraire de ce qu'on aura fait. Rousseau abandonne 5 enfants à l'assistance publique et écrit un traité de pédagogie. J'ai du mal à estimer que le traité soit une œuvre crédible. Marx écrit contre le capital et le capitalisme avec l'argent que lui donne Engels, un argent qui est le produit de l'exploitation des ouvriers de sa propre usine. Oui, alors comment vous expliquez que toutes vos objections qui relèvent du bon sens ne suffisent pas à ce qu'on réévalue leurs œuvres ou au moins la perception de leurs œuvres? Parce que les philosophes qui lisent les philosophes ont eux aussi des choses à se reprocher et qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on aille mettre le nez dans la biographie des autres parce qu'on risquerait de mettre le nez dans leur propre biographie. Je pense par exemple qu'un certain BHL n'a pas intérêt à ce qu'on mette le nez dans sa biographie et que, ceci dit, quelques-uns le font. Quelques-uns l'ont fait. Il y a quelques livres qui font justement la démonstration que la biographie... Et dont je recommande la lecture. Oui, c'est assez croustillant. Oui, absolument. Oui, oui. Le B.A.B.A. de BHL, ah, oui, par exemple. Particulièrement absolument. Réussi. Oui, oui. Où l'on voit effectivement que la mesure du philosophe n'est pas que l'œuvre, mais la vie philosophique qui l'accompagne. Alors, la coïncidence, elle n'est pas forcément absolue. On a le droit à des erreurs, ça me paraît évident. Je ne milite pas pour la sainteté. Je milite pour qu'on tende vers la sainteté. Mais je pense qu'il y a des philosophes qui, à cette aune-là, s'effondrent et d'autres surgissent. Ma contre-histoire de la philosophie n'est jamais que l'occasion de mettre en avant des gens qui n'ont pas menti, trahi, trompé, qui n'ont pas dit de leur vivant « je suis le plus grand, je suis le plus fort », etc. Parce que ça marche. Les philosophes qui, de leur vivant, disent, organisent leur succès, sont souvent des gens qui ont du succès. Sartre a passé sa vie à dire « je serai Stendhal ». Et Stendhal et Spinoza, disait-il. Et d'une certaine manière, ça a marché. Il s'en est donné les moyens. Et Bernard-Henri Lévy le dit aussi, très précisément, dès le départ à l'école normale supérieure, c'est « je veux réussir ». C'est Rastignac, quoi. Alors après, les idées sont au service de cette réussite. Ce n'est pas le cas de Nietzsche. Ce n'est pas le cas de Camus. Ce n'est pas le cas de Thoreau. Voilà, il y a un certain nombre de philosophes comme ça qui ont coïncidé avec eux-mêmes. Alors peut-être c'est moins grand d'avoir écrit « L'homme révolté » que la critique de la raison dialectique, encore que l'homme révolté tient le coup aujourd'hui et les adolescents le lisent, enfin, de moins en moins grâce au régime que nous savons, mais je veux dire, alors que plus personne ne lit la critique de la raison dialectique. Et je pense qu'on doit pouvoir réévaluer des philosophes qui ont donné l'exemple. Et si vous lisiez ce texte tout à l'heure, mais si mon père m'a transmis un certain nombre de choses, c'est l'exemplarité. Et il n'était pas du genre à parler pour dire « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Quand il disait une chose, il montrait l'exemple, il ne disait pas « il ne faut pas mentir », il ne mentait jamais. Il ne disait pas « il ne faut pas dire du mal des gens », il ne disait jamais du mal des gens. Et c'est au bout du compte qu'on se dit « mais bon sang, j'ai eu un père qui tendait vers la sainteté, et si je dois être quelqu'un dans la vie, eh bien j'aimerais qu'à ma mort, il y ait autant de gens éplorés à mon enterrement qu'il n'y en a eu le jour où mon père a été enterré à l'église avec deux de mes copains curés ». Et il y avait des gens sur le parvis, il y avait des gens qui pleuraient, les larmes se confondaient à la pluie. Mon père avait 88 ans, c'était un enterrement un jour normal. Les gens travaillaient, la petite église était bondée. Et je me suis dit, voilà, quelqu'un qui a fait le bien, quelqu'un qui a été droit, quelqu'un qui a coïncidé avec lui-même, ben j'essaie. Alors de Cosmos, je pourrais dire, non sans raison, que c'est un livre optimiste, puisque vous montrez qu'en fait la vie philosophique est à portée de main, que chacun peut essayer de coïncider avec soi-même, pour reprendre votre expression. Je pourrais dire non sans raison également que c'est un livre pessimiste, parce que vous faites un tableau de la prédation de la planète par l'homme, vous parlez d'Occident effondré. Est-ce qu'il y a un des deux adjectifs qui vous convient, ni l'un ni l'autre, les deux, pessimiste, optimiste? Mais je pense que vous êtes le seul à me dire de moi-même ce que j'aime entendre. C'est-à-dire que je ne m'étais pas rendu compte, mais vous avez raison, qu'il y avait une part optimiste dans cet ouvrage, parce qu'on met souvent l'éclairage sur la part pessimiste. Mais oui, vous avez raison, d'une certaine manière, proposer un salut individuel et personnel, bien sûr, mais proposer un salut ontologique, on dira, à tout un chacun, parce que c'est un livre qui est destiné à tout le monde. Je sais pas, Nietzsche disait un livre pour tous et pour personne. Moi, j'aime que mes livres puissent être pour tous, parce que ce n'est pas mon but d'être lu par les spécialistes. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est d'être lu par des gens qui me diront ça m'a aidé dans mon existence. Et de fait, vous avez raison, parce que parfois même, je désespère de moi en me disant je deviens un vieux con. Et je l'avais prévu, mais je ne l'avais pas cru. Et on se dit, je dis aujourd'hui des choses que probablement j'aurais été...
bien incapable de dire il y a 20 ans. Alors on s'arrange hein, avec soi-même en disant oui, mais le monde a changé, moi je n'ai pas changé, c'est parce que je n'ai pas, etc. On se donne des explications. Mais oui, vous avez raison, il y a cette part optimiste dans cet ouvrage, c'est vrai, je n'avais pas bien vu ça. Mais parce que justement, on voit trop, ce que vous avez raison de dire aussi, c'est-à-dire la part qu'on pourrait dire pessimiste, mais moi je dirais tragique plutôt. C'est-à-dire l'optimiste dit que le verre est à moitié plein, enfin ça dépend, si c'est du bon vin, si c'est d'huile de ricin, il est à moitié vide, si c'est du bon vin, si c'est de l'huile de ricin, il est à moitié plein, parce qu'il va falloir encore le boire. Et donc effectivement, c'est une façon de penser le monde qui est une façon connotée positivement ou négativement, optimiste ou pessimiste. Le tragique, c'est celui qui voit le monde de façon réaliste. Alors c'est évidemment, il faut s'entendre sur le réel, la réalité, le réalisme. Mais c'est celui, le réaliste, qui dit « Je crois voir ce que je vois parce que des preuves me sont données qui me donnent l'impression que, et je ne vois pas de contre-preuves qui me permettraient de penser le contraire. » Donc j'essaie de faire ce travail tragique qui fait que parfois, effectivement, je me dis « T'es pessimiste, mais c'est aussi là, je renseigne-toi sur toi-même. » Mais parce que l'individu s'inscrit dans une civilisation. Je pense que je suis optimiste pour l'individu dans la civilisation, mais je suis pessimiste pour la civilisation. Mais pessimiste, c'est pas vraiment le mot qui convient, parce que là encore, quand le cosmos nous invite aux grandes distances et aux grandes durées, je dirais, on ne sait plus être dans la grande distance et dans la grande durée. Pourtant, des invitations de Fernand Braudel, mais on a le nez dans l'instant présent, le fameux éternel présent de Saint-Augustin, et on nous dit les choses telles qu'elles sont, c'est l'instant, c'est la chaîne en information continue, c'est un tweet chasse l'autre, c'est une information chasse l'autre, c'est on a oublié la veille ce qui faisait le buzz, puis parce que c'est un nouveau buzz, puis demain il y aura un autre buzz qui va faire disparaître le buzz. C'est-à-dire qu'on est englué dans l'instant. Et en prenant de la distance, de la hauteur, un peu le point de vue de Sirius, on voit un peu le réel. Et quand on voit la civilisation, je parlais tout à l'heure de la naissance avec un christianisme, avec un corps absent, qui nous fait rendre présent ce corps avec la philosophie, la pensée, l'art, etc. Je pense que si on regarde le mouvement de la civilisation, et ça c'est une leçon de Hegel, les civilisations, elles disparaissent. Et on est dans le lieu de Paul Valéry ici, qui disait, nous autres, cette civilisation, nous savons que nous sommes mortels. Tout le monde le dit, mais personne ne tire les conclusions. Et tout le monde le voit. J'ose espérer que le maximum a pu voir les pyramides en Égypte, le Forum à Rome ou le Parthénon à Athènes, et on voit bien que ces civilisations ont été et ne sont plus. Il y a eu Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte, la Grèce, Rome et puis l'Europe. Et l'Europe, c'est nous. Et l'Europe, elle aura vécu un peu plus de 1000 ans, 1500 ans. Mais je pense qu'elle est morte. Et que cette civilisation se construit avec une spiritualité. Qu'il n'y a pas de civilisation sans spiritualité. Toutes les civilisations qui se sont essayées sans spiritualité n'ont pas duré bien longtemps. Le nazisme, le bolchevisme, ça ne dure pas grand-chose. Parce qu'il faut que les gens croient en un au-delà et que des gens soient prêts à défendre cet au-delà avec des épées, avec du sang, qu'ils soient capables de mener un combat. Donc ce sera toute la suite des cadences, je ne vais pas raconter. Enfin, il y a un mouvement de progression jusqu'au 11e, 12e siècle, et on voit bien au 12e siècle, quand on prend une carte de l'Europe, la naissance des abbayes cisterciennes en un siècle, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a une cathédrale qu'on n'arrive pas à finir, c'est la Sagrada Familia à Barcelone. On a tous les moyens possibles pour... On n'arrive pas à finir la Sagrada Familia à Barcelone. Quoi. On traîne. En un siècle, il y a eu, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais enfin, quand on regarde cette carte, des centaines d'abbayes cisterciennes, et il faut voir quelles belles abbayes, qui ont été construites. Donc il y a une espèce de vitalité du christianisme à ce moment-là, et puis la vitalité, elle diminue en même temps qu'augmente la philosophie. La philosophie est une espèce d'action corrosive, enfin elle mène une action corrosive sur la spiritualité, parce que plus la raison avance, plus la foi recule, et on voit bien avec l'humanisme, avec la Renaissance, avec le grand siècle, les libertins du baroque du XVIIe, avec la philosophie des Lumières, comment la raison progresse, comment la religion s'effondre, et comment aujourd'hui on est dans une période de déchristianisation totale avec un nihilisme complet. Donc je ne vois pas là où nous en sommes, c'est-à-dire avec les choses les plus extravagantes, sur mon compte Twitter, parce que je me défends, j'étais obligé de créer ce truc-là pour me défendre, mais j'ai une petite rubrique que j'appelle « Des nouvelles du bas-empire ». Mais il y a des moments terribles, quoi. On va créer, par exemple, en France, une chaîne entièrement consacrée aux animaux, enfin destinée aux animaux. Ah oui. Ce n'est pas une chaîne sur les animaux. Que les animaux doivent regarder, oui. C'est-à-dire on s'en va, on allume la télé pour les poissons de son aquarium. Il n'y a pas une seule chaîne consacrée à la culture, aux livres,
Moi, je rêve d'une chaîne où on dirait simplement comme ça, voilà, c'est une chaîne qui ne parle que de livres. On rencontre des gens, on parle de livres, on débat sur des livres, etc. Une chaîne qui existerait comme ça, je pense qu'elle serait regardée. Il n'y a pas cette chaîne-là, mais il y a une chaîne qu'on allume quand on laisse son chien, son chat, son hérisson à la maison, tout seul, chez soi. Nouvelle du Bas-Empire. Oui. Oui. On a, qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour comme type d'information, une mère de famille qui a découvert, alors accident de la route, son fils d'une vingtaine d'années meurt, mais il est en état de mort cérébrale, et on peut faire un prélèvement de sperme sur son fils. Donc le garçon a une petite copine, la mère dit à la petite copine, prélèvement du sperme, insémination, tu fais un enfant avec mon fils, qui est, etc. La jeune fille, intelligente, dit non. La mère dit alors ce sera moi. Donc elle demande le prélèvement de sperme de son fils, elle demande l'insémination du sperme de son fils pour porter le sperme de son fils et estime que ça n'a rien à voir avec l'inceste, etc. C'est-à-dire que quand on en est là, c'est-à-dire... Très Bas-Empire, là. Ben oui, mais du réel. Hein. C'est, ouais. Vraiment, il y a un moment donné où il faudrait découper ça et se contenter de coller l'information sur un truc en disant juste ça, voilà, et faire un livre en disant pendant une année... J'ai découpé les infos qui montrent que c'est le Bas-Empire, quoi. Nous sommes dans le Bas-Empire. Cette idée qu'aujourd'hui, des homosexuels riches pourraient s'acheter des enfants qu'on pourrait mettre dans le ventre des femmes pauvres, qu'on irait payer 50 euros en Inde pour ramener l'enfant qui, etc. Bas-Empire. Ouais. Bas-Empire, ouais. Aussi. Donc, etc., etc. Donc, il y a effectivement un moment où on se dit... C'est ce qui me distinguerait d'Éric Zemmour, puisque je vais débattre avec lui. Lui, il parle du suicide français, c'est-à-dire qu'il pense qu'on fait quelque chose et qu'on pourrait ne pas le faire. On est en train de se donner la mort, mais on pourrait ne pas se donner la mort. Moi, j'ai une lecture tragique qui consiste à dire, mais on n'est pas en train de se suicider, on est juste en train de mourir. Et comme quelqu'un qui est en phase terminale, eh ben, il n'y a plus grand-chose à faire, comme quelqu'un qui dirait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui redonner la jeunesse et la santé? Ce serait ridicule de dire, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Non, il n'y a rien à faire. Je pense que notre civilisation est en train de se diluer, de s'épuiser, de disparaître. Est-ce que c'est du pessimisme? Je ne sais pas. On a tendance à dire de moi qu'on m'assimile, Zemmour, Houellebecq, Finkielkraut, etc. C'est autant d'occasions de ne pas penser. Mais moi, je ne suis pas un réactionnaire, ni un conservateur. Le réactionnaire veut restaurer un ordre ancien. On se dit, ah, mais dans le temps, on faisait ça, etc. Le conservateur dit, on touche à rien, on bouge pas, voilà. Moi, je suis un tragique en disant, le bateau coule, c'est le Titanic, il y a un gros trou, une belle voie d'eau, ça sert à rien de chercher des rustines, et il y a juste un truc à faire. On va sur le pont, on boit les bons vins avec les amis qu'on aime, on fait quelques lectures qui nous font encore plaisir, on regarde le dernier coucher de soleil, ça va couler, et mourons avec élégance. Oui. Ça, c'est pas mal comme programme. Mais il faut quand même aller un peu plus loin. C'est que selon le cycle des alternances là, que vous évoquiez tout à l'heure, on voit qu'il y a une nouvelle vitalité. L'Occident est dévitalisé, déchristianisé, etc. Mais c'est l'Orient maintenant qui est plein de vitalité. Et vous parliez de gens prêts à mourir pour leur foi. Voilà, en tout cas, certains musulmans, ceux de Daesh, eux sont prêts à tout. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est de là que va venir la prochaine vitalité et le prochain centre du monde, puisque vous dites que nous, c'est oui. Foutu. Zemmour dirait hélas, Finkielkraut dirait hélas, moi je dis eh oui. C'est-à-dire que il faut faire attention évidemment, parce que quand Hegel, en ce sens je suis hegelien, mais quand Hegel parle dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, du mouvement de l'histoire, et en disant mais ce qui va advenir va se passer du côté de la Russie et de l'Amérique, on est au début du 19e siècle, contemporain de Napoléon, on se dit pas mal vu quand même pour le personnage. Donc on peut se tromper. J'ai écrit déjà un petit texte qui va dans ce sens-là. Je pense, oui, effectivement, que nous en avons fini avec les civilisations territorialisées, c'est-à-dire les civilisations qui étaient dans un lieu. On voit bien l'Égypte, quand il y a 40 siècles, le grand moment des pyramides, eh bien, pendant ce temps-là, la Grèce, c'est rien. Et quand la Grèce, c'est beaucoup, l'Égypte, c'est plus rien. Et quand Rome, c'est beaucoup, eh bien, l'Égypte, c'est plus rien non plus. Donc il y avait une espèce de vitalité qui semblait se déplacer comme ça sur la planète. On avait l'impression qu'elle se manifestait ici, puis qu'elle allait voir ailleurs, puis qu'elle repartait, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la déterritorialisation, pour utiliser le vocabulaire de Deleuze, c'est-à-dire que l'islam est la première religion déterritorialisée. C'est la religion de l'Oumma. L'Oumma, c'est la communauté. Alors, je veux bien qu'on me dise, mais il y a les sunnites, il y a les chiites, c'est pas exactement la même chose, et puis il y a un islam africain, puis il y a un islam asiatique, puis il y a un islam arabe, c'est pas exactement la même chose, tout ça est vrai. Des musulmans qui se détestent les uns les autres, parce que le prophète Ali, parce que, etc., l'imam caché, oui, bien sûr, mais au bout du compte, l'Oumma est supérieure à ce qui n'est pas l'Oumma.
C'est-à-dire, il y a le Dar al-Islam, la terre d'islam, et la terre qui n'est pas l'islam et qui est la terre de guerre. Ce n'est pas moi qui invente l'expression, ce sont les musulmans qui considèrent que le monde se coupe en terre d'islam et terre qui n'est pas d'islam et qui est terre de guerre, donc terre de djihad. Le djihad n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, un effort sur soi-même, une justification philosophique, ça c'est chez quelques soufis, une poignée de soufis, et les soufis sont des minoritaires. C'est comme si on me disait que le christianisme, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, un peu, mais pas complètement. S'il y avait eu Sainte Thérèse, il n'y aurait jamais eu l'Inquisition, les croisades, l'index, la colonisation et la destruction des peuples d'Amérique du Sud. On est d'accord. Donc elle fait partie du christianisme, mais ce n'est pas tout le christianisme. Donc oui, les soufis sont des gens sur lesquels on pourrait tabler. Mais les soufis sont extrêmement minoritaires. Et il y a dans l'islam cette idée que la guerre fait partie des moyens et des méthodes, que la paix n'est pas une bonne conseillère. Il y a des propos qui sont clairement homophobes, antisémites, phallocrates, misogynes, qui sont des propositions d'invitation à décapiter celui qui ne pense pas comme soi, l'infidèle, le mécréant, les gens du livre, comme il est dit, en dehors du Coran, bien sûr. Et il y a un nombre de sourates considérables qui justifient ça. Alors, bien sûr, on peut ignorer le Coran, c'est souvent le cas pour un nombre de musulmans, comme beaucoup de chrétiens n'ont jamais lu la Bible. C'est 99,9%, il y a même des curés qui n'ont jamais lu la Bible. Manque de conscience professionnelle. Mais, pour le moins. Oui, mais Madame Roudinesco n'a pas lu Freud non plus, donc, et elle est pourtant psychanalyste. Et Fleur Pellerin n'a pas lu Modiano. Absolument, oui, oui. Et Modiano n'a pas lu Fleur Pellerin non plus, mais comme elle n'a rien écrit, c'est plus défendable. Oh, elle a sûrement dû écrire un livre qu'elle n'a pas lu. Nous en étions où ? Oui, sur l'islam. Donc je pense qu'effectivement, dans la logique de déterritorialisation, dans la logique guerrière qui est la sienne, là encore, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, il faudrait. Je dis, j'ai lu les hadiths du prophète, qui sont les propos qui ont été rapportés par les plus fidèles des proches du prophète. Donc c'est estampillé par les musulmans. C'est de la littérature halal, c'est-à-dire le Coran, les hadiths et les biographies du prophète. Je ne lis pas des ouvrages qui auraient été écrits contre l'islam, je dis toute mon argumentation, je fais un livre qui s'appelle, on en parlait tout à l'heure, « À l'ombre des épées », c'est un verset extrait d'une sourate du Coran, mais qui examine tout ça, et on voit bien que le prophète était conquérant, guerrier, qu'il a lui-même décapité des gens, qu'il a dirigé des massacres, il y a des batailles, on connaît leurs noms, on sait comment ça s'est passé, etc. Donc il y a juste un moment donné, il ne faut pas dire que le réel n'a pas eu lieu, et il faut regarder ce qui a lieu, c'est-à-dire quand on a effectivement une religion forte, virile, c'est ce qui plaisait à Nietzsche d'ailleurs dans l'islam, qui invite à la violence, qui invite à faire couler le sang, qui a des soldats, c'est-à-dire des gens prêts à mourir pour elle. Et il y en a. Il y a un nombre de gamins perdus. Je parlais tout à l'heure des gamins qui ne savent pas ce que c'est que la nature, le cosmos, parce qu'ils ont vu du béton, du bitume, de l'écran, de la télé, de la vidéo, de l'Internet, etc. Ils sont nourris à ça. Quand on a des enfants perdus et qu'ils sont capables de nourrir une armée de gens qui pensent que quand ils auront tué leur prochain, ou celui qui ne sera pas musulman comme il faudrait l'être, ou celui qui n'est pas musulman, ils auront tout de suite leur paradis et leur vierge. Ils n'ont pas eu une seule vierge dans leur vie, parce que c'est difficile à trouver quand on a cet âge-là. Et là, on leur en promet des dizaines d'un seul coup. Bon, quand ils arrivent au paradis, il n'y en a pas tant que ça. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de paradis, donc il n'y a pas de vierge. Donc, mais ça, ils ne le sauront jamais. Mais ces gens sont prêts à mourir. Et nous, on n'a pas un seul personnage prêt à mourir pour ses idées. Il n'y en a pas un. Les soldats, les GI qui s'engagent pour aller massacrer de l'Afghan, massacrer du Malien, massacrer, c'est tout ça aussi qui fait qu'on a du terrorisme chez nous. C'est parce qu'on a massacré ces populations depuis 1991. Merci François Mitterrand et merci François Hollande et merci Jacques Chirac. Pas tout Chirac. Non, il a résisté sur l'Irak, mais uniquement sur ça. Pour des raisons électoralistes. Oui, enfin, mais peu c'est importe. Pas mal. C'est vrai. Seul le résultat compte. Vous avez raison. Et le discours de Villepin était un bon discours. Il a écrit de bons discours, ce monsieur, qui n'a pas fait grand-chose de bien. Et je parle de Villepin. Mais Chirac aussi, ça marche. Et donc, quand on a fabriqué toute cette civilisation-là, la nôtre, et qu'elle s'est effondrée, et qu'on a en face des gens qui sont prêts à construire une civilisation, car c'en est une, c'est pas la nôtre, mais c'en est une, eh bien, nous avons perdu. Les GI qui sont au combat sont des GI qui sont chômeurs, paumés,
et qui s'engagent dans l'armée parce qu'ils ont un salaire et qu'ils savent qu'il y a des primes s'ils vont combattre sur des territoires un peu dangereux, et qui se disent à 35 ans je rentre et on va pouvoir s'acheter une maison, une voiture, et puis la vie est tranquille, on paiera les études de nos enfants, etc. Ils font ça pour ça. Les gamins qui vont se battre là-bas, ils ne s'en vont pas en disant on va défendre la liberté d'expression, je suis Charlie, ou ce genre de choses. Bien sûr que non. Donc il n'y a pas un seul occidental qui est prêt à vendre ses valeurs, à défendre ses valeurs, parce qu'on n'a rien à vendre comme valeur, on n'a rien à défendre. L'argent, le business, la frime, etc., ce n'est pas des choses pour lesquelles les gens ont envie de mourir. Ils veulent tous ça, mais ils ne veulent pas mourir pour ça. Et en face, on a des jeunes qui sont prêts à mourir pour leur Dieu, pour leur vision du monde, pour leur conception des choses, pour la façon qu'ils ont de lire le Coran, qui est une façon. Ce n'est pas la seule façon, il y a d'autres façons. Il y a des façons qui permettront de prélever autre chose. Il y a dans le Coran une belle phrase, d'ailleurs elle vient du Talmud, qui dit « pas de contraintes en matière de religion ». Un musulman qui dirait « moi je construis mon islam sur cette seule sourate », c'est plus du tout le même islam. Donc voilà, on en parlait un petit peu tout à l'heure pendant le déjeuner. C'est ma façon de répondre à la question à laquelle je ne vous avais pas répondu. Mais c'est vrai qu'on peut prélever dans le Coran matière à réduire à néant la rédaction de Charlie Hebdo, parce que ça se justifie dans le Coran. Mais on peut critiquer ce qui a eu lieu ce jour-là avec une autre sourate du Coran qui dit le contraire. Donc comme c'est un texte écrit et pas dicté par Dieu, avec des contradictions, il y a matière à justifier une chose et son contraire. Comme chez tout le monde, dès qu'on a beaucoup écrit d'ailleurs, il y a toujours un moment donné où on peut être pris en défaut. Et il y a effectivement des invitations à augmenter son savoir jusqu'à la Chine, dit le Coran. Ça veut dire qu'il faudrait chercher à savoir et à connaître. Donc ça veut dire « sois curieux ». La Chine, ça veut dire à ce moment-là quelque chose qui ne relève pas du territoire musulman. Donc c'est une invitation à être curieux des sagesses et des savoirs d'autrui. Il est bien évident qu'un musulman qui construirait son islam sur cette sourate-là n'a pas la même définition de l'islam que celui qui nous dira qu'il faut massacrer tous ceux qui ne sont pas de la religion, du Coran, etc. Donc effectivement, il y a des prélèvements différents qui permettent un islam républicain, compatible avec la République, puis il y a un islam qui est anti-républicain. Et je pense que l'histoire ne se fait jamais avec les minorités silencieuses, mais toujours avec les majorités, avec les majorités silencieuses, mais avec les minorités agissantes. Et le nazisme ne s'est pas fait autrement qu'avec des minorités agissantes qui ont été capables d'obtenir une majorité consentante avec des élections. Donc le roman de Houellebecq est intéressant en ce sens, parce que soumission est l'analyse de ce processus qui fait qu'on peut consentir, quand on fait partie d'une majorité silencieuse, aux actions d'une minorité agissante. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je veux dire, Émile Zola, quand il écrit La bête humaine, quand il raconte la misère des ouvriers ou des mineurs, n'est pas responsable de la condition ouvrière. Céline, quand il écrit Casse-pipe, n'est pas responsable de la guerre 14-18. Proust, quand il écrit La recherche du temps perdu, n'est pas responsable de l'effondrement de l'aristocratie et de l'émergence de la bourgeoisie. Donc Houellebecq, quand il raconte ça, n'est pas responsable de ce qui advient, mais quelque chose a lieu dans ce roman qui nous montre que notre civilisation s'effondre et que quelque chose d'autre s'annonce qui pourrait être une civilisation planétaire. Alors évidemment, je ne suis pas ignorant du fait que ce que les médias nous présentent comme l'actualité n'est pas toute la réalité et qu'il y a aussi un bloc asiatique, qu'il y a aussi un bloc chinois, que ce sont d'autres spiritualités, que l'hindouisme n'est pas soluble dans l'islam, mais que l'hindouisme est pacifiste, théoriquement, il y a des hindouistes violents, mais théoriquement il est pacifiste et l'islam ne l'est pas, qu'il y a un confucianisme chinois qui est très puissant, et que ce confucianisme, c'est pareil, il va falloir composer avec ça, parce que la démographie aide. Donc effectivement, je vois bien comment l'effondrement de notre civilisation judéo-chrétienne est un territoire de rêve pour le jeu d'un islam intégriste qui voudrait restaurer le califat. Je ne sais pas ce que sont prêts à faire les hindouistes de l'Inde ou les confucéens de Chine. Je ne sais pas ce que sont leurs stratégies. Je pense que les Indiens se moquent de l'Europe, absolument, que les Chinois sont en train de l'acheter, l'Europe. Ils pensent que c'est bien plus facile que de faire la guerre. Et que d'autres ne se contentent pas de l'acheter, mais veulent la transformer idéologiquement avec leur vision des choses et du monde. Là encore, ça fait partie du processus du Titanic. Je pense que ça ne sert à rien de dire qu'il faudrait soit voter Marine Le Pen, soit les mettre tous à la mer, soit enfin, toutes les choses, ou l'inverse, de dire faisons-les rentrer, aimons-les, donnons-leur ce qu'il y a dans notre frigo. Tout ça ne sert à rien. Il faut une espèce de grand sourire de sage indien, pour le coup, en disant c'est ainsi.
Les catholiques disent « ainsi soit-il ». Alors, je pourrais continuer à parler avec Michel Onfray pendant des heures de cosmos, tant ce livre est riche, dense, subversif et révolutionnaire par bien des côtés. Mais il est temps de vous laisser la parole. Si vous voulez vous adresser directement à Michel Onfray, c'est le moment ou jamais. Et il y a des micro-baladeurs à votre disposition. Bonjour. Vous avez parlé au tout début, en entrée en matière, en disant que tous les hommes naissent innocents, mais très peu le reste. On peut dire aussi que tous les hommes naissent, pardon, philosophes, mais très peu le reste. On peut dire aussi que tous les hommes naissent innocents, mais très peu le demeurent. Quelle est, à votre avis, la part d'innocence dans la philosophie ou chez les philosophes ? Alors, l'innocence, elle peut être pensée, mais je ne sais pas à partir de quel moment. Je pense que dès que le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a déjà un processus qui est loin d'être de relever de l'innocence. Je pense que si dans les milliards de spermatozoïdes, il y a un spermatozoïde qui gagne et pas les autres, il y a déjà quelque chose qui se joue. Vous êtes déjà dans l'héritage de quelque chose qui fait que vous allez avoir les cheveux de telle couleur, les yeux de telle couleur, la prédisposition à tel type de maladie ou je ne sais quoi. Mais l'innocence, pour moi, elle existe très virtuellement et tout à fait au départ. Parce que par la suite, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres en relation, nous sommes des êtres en situation. Et dès qu'il y a cette instance qui est l'embryon, il y a déjà la construction de quelque chose qui est le contraire de l'innocence. Donc vous imaginez bien, 9 mois dans le ventre d'une mère, toutes les informations qui se trouve engrammé dans le cerveau de l'enfant. Dès que le système nerveux advient, il y a déjà des informations. Dans le ventre de la mère, des informations viennent. Ce qu'elle mange. On sait par exemple, Boris Cyrulnik avait fait des expériences pour montrer que les femmes qui mangent de l'aïoli dans le sud de la France et celles qui n'en mangent pas, à Dunkerque par exemple, ou mangent plutôt du maroilles par exemple, eh bien, tout ça fait que vous allez avoir, d'un point de vue gustatif, une détermination à aimer certaines choses ou à détester d'autres choses, parce que dès le ventre de la mère, vous aurez déjà eu une imprégnation. Donc vous pensez bien que quand vous arrivez au monde, l'innocence, elle est déjà très très loin. Après ça, il n'y a pas d'exemple, sauf casuistique et théorique, mais il n'y a pas d'exemple d'enfant qui ait survécu sans l'éducation. Un enfant qui naît et qui est abandonné, vous déposez un enfant dans la forêt et l'enfant meurt. C'est évident, d'abord il va se faire manger vite fait par les animaux, puis ensuite il ne peut pas subvenir à ses besoins, donc on sait bien que nous sommes construits par autrui. Nous sommes en situation de ce qu'on appelle l'intersubjectivité en philosophie. Nous sommes des sujets, nous sommes dans des relations entre les sujets. Donc il n'y a pas d'innocence, me semble-t-il, sauf très virtuellement et tout à fait à l'origine, mais j'aurais tendance à considérer que c'est quantité négligeable. Donc il n'y a pas d'innocence parce qu'il n'y a que de la culture, parce qu'il n'y a que de l'information, parce qu'il n'y a que de la transmission, ou l'inverse, de l'absence de transmission, qui est aussi de la transmission, et de l'éducation, de l'instruction. Donc je crois à tout ça et nous sommes le produit de ça. De sorte que plus tard, quand vous avez le philosophe, disons, de profession, mais on peut même prendre à l'origine, c'est-à-dire l'enfant dont je disais tout à l'heure qu'il était d'un naturel philosophant, cet enfant-là, il n'est pas dans l'innocence, déjà, parce qu'il ne va pas se poser la question de ce qu'est un opéra de Mozart s'il n'entend pas un opéra de Mozart. Si en revanche ses parents écoutent une radio périphérique avec des variétés, il aura l'oreille faite pour la musique de variété. Et le jour où il entendra un opéra de Puccini, il aura du mal, sauf si on l'initie, sauf si on l'éduque. Au point que parmi vous, s'il y a des mélomanes, et il y en a sûrement de nombreux, eh bien, on n'est pas forcément initié au shamisen japonais ou au raga indien. Et que si vous assistez à un concert de 4 heures de raga, moi j'ai un ami qui m'a offert ça, c'était une punition totale. Punition totale, c'était son anniversaire, il invitait ses amis, et 4 heures de concert de raga, on se dit mais... Ça commence quand le concert? Il arrête d'accorder quand? On dit non, 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 c'est commencé depuis 3 heures déjà. Simplement parce qu'effectivement, il faut être éduqué. Donc l'éducation, je ne dis pas qu'elle fait tout, mais elle fait quand même beaucoup. Donc il n'y a pas d'innocence. Il n'y a pas d'innocence à la naissance. Il n'y a pas d'innocence dans la suite. Il n'y a pas d'innocence ensuite chez le philosophe. Ou alors c'est une innocence feinte. Et c'est Socrate le maître de l'innocence feinte. C'est-à-dire que quand Socrate dit « Ah, mais moi, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien », on appelle ça l'inscience, et l'apostrophe inscience, je sais que je ne sais rien, bon, c'est gentil, mais ça ne va pas loin, cette idée qu'on sait qu'on ne sait rien, parce que c'est un artifice de rhétorique. Je pense que par définition, ce qu'on ne sait pas, on ignore qu'on ne le sait pas.
parce que si on le savait, on ne l'ignorerait pas, par définition. Donc c'est du jeu verbal que de jouer l'innocence, parce que ça cache toujours un savoir supérieur. Du genre, je fais semblant de ne pas savoir, mais c'est parce que je sais vraiment. Donc non, l'innocence n'a pas de place, je dirais, nulle part, et encore moins en philosophie, où y aurait-il encore un peu d'innocence, que le propre de la philosophie, ce serait de la pulvériser. Oui. Dans votre parcours intellectuel, donc, vous avez été inspiré donc, par la pensée, par l'éthique libertaire, et il me semble que récemment, donc, cette éthique libertaire, donc, elle se fonde principalement sur la notion de souveraineté populaire. Or, il me semble que récemment, à travers différentes déclarations, vous avez indiqué vos affinités avec notamment ce qu'on appelle le courant souverainiste, qui lui se fonde plutôt sur la notion de souveraineté nationale. Or, on sait que dans l'histoire, souvent, la souveraineté nationale a été utilisée pour, en quelque sorte, spolier le peuple de sa souveraineté populaire. Donc, à votre niveau, avec votre inspiration libertaire, comment vous arrivez à concilier et éventuellement à dépasser cette apparente contradiction entre souveraineté populaire et souveraineté nationale ? Bah, des belles questions, parce que quand on dit libertaire et qu'on pense anarchiste, la plupart du temps, on pense toujours au même. Bakounine, Kropotkine, par exemple, ou opposeur de bombes, Ravachol, etc. Et il y a une tradition d'anarchie française dans laquelle je m'inscris, mais qui est une tradition qu'on ne connaît pas très bien. Jean Grave, par exemple, Sébastien Faure, Élisée Reclus, qui est suisse, pour le coup, mais on dira francophone, et qui sont des anarchistes qui ne sont pas pollués, je dirais, par la philosophie allemande. Bakounine, Kropotkine, Stirner sont tous des gens qui sont des lecteurs de Hegel. Et on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais si vous voulez, il y a chez Hegel, avec la dialectique, une justification de la violence qui, pour moi, est une ligne de partage. J'essaie d'être non-violent. Ce n'est pas facile à tenir, mais j'essaie d'être non-violent en disant qu'aucune justification, enfin rien ne justifie la violence. Ou alors, dans certains cas, dans certains moments, dans certaines circonstances, je ne suis pas un pacifiste absolu, mais je pense qu'il faut faire de telle sorte qu'on utilise le moins possible la violence, la brutalité, etc. Chez les anarchistes du genre Bakounine, Kropotkine, on défend la violence. On défend l'usage légal de la violence, même que ce soit avec la guillotine. Et la lecture de la Révolution française faite par Kropotkine, c'est une lecture robespierriste, voire marathiste. C'est pas mieux, c'est peut-être même pire. Mais en France, vous avez une autre tradition qui est épargnée par Hegel, d'abord parce que Hegel n'est pas traduit en français. Quand il est un peu connu, il l'est par des mauvaises traductions. Et Marx vient visiter Proudhon à Paris et lui explique, Hegel et la dialectique. Et Proudhon ne comprend pas très bien. Alors on dit qu'il ne comprend pas très bien. Moi, je pense qu'il a très bien compris, mais qu'il a compris qu'il n'y avait rien à comprendre et qu'il n'y avait rien à utiliser dans cette façon de penser ce qu'on appelle l'aufhebung, la conservation, le dépassement, etc. Ce n'est pas dans l'esprit français d'un Proudhon. Moi, mon anarchie, elle est proudhonienne. Elle est proudhonienne pour une raison bien simple, c'est que d'abord, il n'y a pas d'éloge de la violence chez Proudhon. On ne fait pas l'éloge des coupeurs de tête, des Robespierre, des Robespierristes, de la police, etc. etc. Et puis ensuite... C'était la première question d'Éric, mais quand je répondais en disant que ce que j'aimais, c'était le pragmatisme et que c'était souvent l'apanage de la droite, j'aime quand la gauche est pragmatique. Souvent, quand elle est pragmatique, c'est parce qu'elle est devenue de droite, mais ce n'est pas ce que j'entends par le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est penser le réel comme il est et les effets que ça risque de produire. Et il y a chez Proudhon toute une pensée éminemment pragmatique. On ne fait pas la révolution en disant appropriation collective des moyens de production, expropriation des patrons, qui sont tous des bourgeois qui exploitent le pauvre, etc. Et puis demain matin, ce sera parfait parce que les moyens de production seront passés aux mains du prolétariat. Ça, c'est la pensée de Marx, c'est aussi la pensée de Bakounine, c'est pas la mienne, ça marche pas comme ça. Il faut composer avec la nature humaine. Et ce que j'aime chez Proudhon, c'est qu'il est concret, pragmatique. On fait comment pour réaliser l'anarchie ? Et l'anarchie, pour lui, c'est l'ordre suprême. Hein. Ce n'est pas le bazar absolu, c'est l'ordre suprême. Et les réponses, elles sont éminemment concrètes. C'est la coopération, la mutualisation, la fédération, l'autogestion. Je crois à toutes ces valeurs-là. Il y a un Proudhon qui est méconnu parce qu'on connaît qu'est-ce que la propriété, on connaît la réponse, la propriété, c'est le vol. C'est un malentendu, et je dis souvent que la réputation de quelqu'un, c'est souvent la somme des malentendus qu'on accumule sur son nom, parce que peu de gens ont lu « Qu'est-ce que la propriété ?». Moi, c'était un de mes coups de foudre quand j'avais 16 ans, et j'en suis toujours là, je reste proudhonien.
Parce qu'il dit la propriété, c'est le vol dans une condition, dans une circonstance particulière. Il dit, il prend une image extrêmement simple, c'est l'érection de l'obélisque sur la place de la Concorde. Il dit, cet obélisque qui est arrivé de Louxor, je crois, il a fallu, je ne suis pas sûr de mes chiffres, mais enfin je vous les donne, je vous donne cela, il a fallu que 30 ouvriers travaillent pendant une heure pour ériger cet obélisque. Pendant une heure, 30 ouvriers ont rendu possible l'érection de cet obélisque. Imaginez qu'un ouvrier travaille 30 heures. Ben, il pourra toujours tirer sur l'obélisque, ça ne va pas marcher. Proudhon dit qu'il y a ce qu'on appelle l'aubaine. L'aubaine, c'est la force de travail qui devrait être payée. Donc on devrait payer les ouvriers pour ce que leur travail collectif rend possible, alors que la somme du travail des ouvriers n'aurait pas rendu ça possible. Pour le dire autrement, 30 ouvriers qui travaillent une heure peuvent faire ce qu'un ouvrier qui travaillera 30 heures ne pourra pas faire. Ce qu'il est possible de faire, c'est possible parce qu'il y a la force de travail qui n'est pas payée. C'est l'aubaine. Et quand il y a de l'aubaine, il y a propriété. Cette propriété, c'est le vol. Donc quand il dit qu'est-ce que la propriété, c'est le vol, c'est ça. C'est la construction de la propriété se fait par la spoliation des forces de travail des ouvriers qui travaillent collectivement. Je souscris à ça. Maintenant, on dit la propriété, c'est le vol, ça veut dire qu'on est contre toute propriété. Ce n'est pas vrai. Proudhon défend la propriété privée en estimant que c'est la garantie contre le communisme. Il est très anticommuniste, Proudhon, et moi aussi. J'estime que la communauté généralisée des biens, et la plupart du temps, la prime aux feignants, la prime à celui qui ne travaillera pas, la prime à celui qui va prendre le travail d'autrui et ne pas travailler, qui, etc. On sait ce qu'est la nature humaine. Quand on n'est pas forcé à faire le bien, on ne le fait pas. Donc il y a chez Proudhon une garantie de la propriété, une garantie de la liberté par la propriété. Je souscris aussi à ça. Simplement, il ne veut pas que la propriété soit l'occasion d'exploiter ceux qui ne seraient pas propriétaires. Et il dit de l'État tout au départ que l'État est le grand spoliateur. Et il a raison. Si l'État est un État bourgeois qui rend possible le fait qu'on ne paie pas la force de travail des ouvriers, c'est l'État qui rend possible l'exploitation. Mais ça n'est pas l'État qui exploite. L'État, en tant qu'il est un État bourgeois, exploite, mais pas par essence. Voilà pourquoi le dernier Proudhon, qui écrit Théorie de la propriété, défend l'État. Et voilà donc un anarchiste qui défend l'État, et c'est mon cas. Et vous me voyez arriver sur la question de la souveraineté. C'est-à-dire que Proudhon nous dit que les individus, là où ils sont, doivent pouvoir être dans l'autogestion, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que des ouvriers gèrent leur usine plutôt que quelqu'un qui va arriver en disant « moi je suis membre du parti, je suis directeur de ceci, je vais vous expliquer comment on produit dans une usine de textile », alors que 3 mois avant il aura travaillé dans une production de pommes de terre, ou qu'une autre fois il aura dirigé une université. On dit non, là où sont les gens, ils dirigent les choses de manière autogestionnaire parce qu'ils sont les plus au courant de ce qui se fait. Et donc cette autogestion-là, elle permet l'émergence d'une souveraineté populaire qui n'est pas jacobine. C'est ça le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on est resté sur le modèle jacobin et que la souveraineté populaire, elle est jacobine et elle s'incarne dans un État qui a tous les droits. Pour Proudhon, c'est l'autogestion qui rend possible la totalité des droits et l'État qui garantit cette autogestion. De sorte qu'on peut être d'une part anarchiste et d'autre part défendre l'État comme ce qui garantit la souveraineté populaire et générale, un souverainisme, si vous voulez utiliser le vocabulaire d'aujourd'hui, parce que le souverainisme, c'est la possibilité pour les gens de choisir la politique qu'ils auront voulu. Le jour où vous dites « on ne veut pas de l'Europe » et où on vous dit « vous aurez quand même l'Europe », le souverainisme est mort, la souveraineté est morte. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix de sa politique. Donc quelqu'un qui ne veut pas être souverainiste, c'est quelqu'un qui l'est ailleurs. Ceux qui refusent le souverainisme en France sont des gens qui défendent le souverainisme européen. Donc il faut savoir ce qu'on veut, mais ce n'est pas souverainisme opposé au souverainisme, c'est souverainisme national contre souverainisme européen. Le souverainisme national n'exclut pas un souverainisme européen, mais dans une logique anarchiste à la Proudhon, c'est-à-dire fédéraliste, mutualisée et coopérative. Nous pouvons coopérer à 10 personnes dans un atelier. Nous pouvons coopérer entre régions françaises, nous pouvons coopérer entre nations, la France et les autres pays qui constituent l'Europe, et nous pouvons coopérer entre Europe et bloc asiatique, bloc américain, etc. Voilà comment, si on sort des schémas du souverainisme jacobin, et un peu méprisant, parce qu'on sait bien aujourd'hui que quand on se fait traiter de souverainiste, on n'est pas loin de Marine Le Pen et que tout de suite le coup près tombe. Mais on peut aujourd'hui défendre le souverainisme en disant « mais je vois mal comment on peut interdire au peuple de décider de son avenir ».
de décider de la politique qu'il veut mener. Ou alors après, on dit, il n'y a plus de souverainisme, c'est une espèce de technocratie, de bureaucratie, qui va faire semblant de vous demander ce que vous pensez de ceci ou de cela, et qui n'en fera rien. Donc on peut être anarchiste, souverainiste, il suffit d'être proudhonien. Dernière question. Pour qui ? Merci pour votre dernière intervention sur Proudhon. Entre parenthèses, Marx, dans le 18 Brumaire, a bien expliqué qu'il était contre sa position et qu'il était contre l'État. Ce n'est pas ça la question que je voulais vous poser. C'est à propos de votre illustration du Titanic. Ça m'a beaucoup fait rire, mais en même temps, ça m'interroge. Parce que j'ai un petit-fils. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi ? C'est-à-dire que c'était presque sans espoir ce que vous disiez. Alors si c'est ça votre pensée, ça m'interroge. Comment faut-il interpréter ce que vous venez de dire à propos de l'exemple du Titanic ? Y a-t-il vraiment rien à faire ? Faut-il attendre qu'on coule ? Et le dernier mot sera pour le Titanic, comme il se doit. Alors la première bêtise, monsieur, c'est d'avoir fait des enfants. Le petit-fils, c'est pas moi qui l'ai fait, le petit-fils. Hein. Ah oui. Les mères de famille, là, quand même, on ne se retient plus. Le petit-fils, il est quand même parfait. J'ai dépassé l'inceste. Hein. Non. Je veux dire, on fait des enfants, puis les enfants font des enfants. Donc un jour, on a des petits-enfants, puis on se dit, mais je vais leur léguer quoi ? Moi, comme je m'étais posé la question avant, je n'ai pas fait d'enfants. Donc, personnellement, j'ai réglé le problème. Maintenant. Ah, c'est les jeunes femmes qui veulent des enfants. Alors, maintenant, évidemment, le réel étant ce qu'il est, les trois quarts parmi vous ont fait des enfants et il faut composer avec des enfants. Donc Eric soulignait tout à l'heure la tension qui anime ce livre et je l'en remercie parce que c'est vrai qu'elle n'était pas aussi claire pour moi que ça au départ, vu les commentaires qui sont faits et à un moment donné on se dit j'ai pas dû écrire le bon livre parce que personne n'a vu ce que je dis et heureusement qu'Eric est un bon lecteur et me dit qu'il y a bien dans mon livre ce que j'y ai mis. Mais je crois effectivement qu'on doit pouvoir dissocier le mouvement de la civilisation d'une part en disant la scène sur laquelle tu vas te mouvoir n'est pas très jolie, mais il n'empêche qu'il faut t'y mouvoir dignement. Donc ce qu'on peut dire à ces petits-enfants, me semble-t-il, c'est qu'effectivement la vie est une jungle, qu'il y a, pour utiliser le vocabulaire de Sade, des prospérités au vice et des malheurs à la vertu, que quand on est bon, on est rarement récompensé, que quand on est méchant, on est tout le temps récompensé, que la prime est donnée aux vices, aux vicieux, aux menteurs, que vous pouvez faire la une de Libération quand vous êtes un ministre qui ne paie pas ses impôts en expliquant qu'on s'acharne sur vous et que vous allez porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. On rêve. C'est-à-dire le type qui fraude le fisc et qui fait savoir aux autres qu'il ne faut pas frauder le fisc. Quand on a vu qu'il fraudait le fisc, fait la une d'un journal qui se prétend de gauche pour nous dire qu'il va porter plainte et en appeler aux droits de l'homme. Enfin, on rêve. Donc il faut enseigner. Il faut enseigner à ses enfants qu'effectivement, si on est un ministre qui tape dans la caisse, on risque d'avoir les honneurs de la une d'un journal de gauche, mais que si on est un instituteur de campagne qui fait bien son travail, jamais personne ne viendra nous le dire. Donc il y a un héroïsme de la discrétion, il y a un héroïsme de la simplicité chez des gens qui font les choses simplement. Moi, ma compagne est décédée d'un cancer, j'ai vu des gens qui avaient des cancers pendant 13 ans, l'héroïsme, il est là. Chez des gens qui ne disent rien, qui sont grands, qui sont droits, qui sont dignes. Et qui sont capables de traverser des choses extrêmement dures en étant justement droit et digne. Et je pense qu'on peut enseigner ça. On peut enseigner une espèce de salut individuel quand tout s'effondre. On est dans les ruines, il n'empêche qu'il faut rester droit. Donc effectivement, on ne peut pas dire à ses enfants ou à ses petits-enfants, tout va bien, il faut faire le bien parce que le bien est toujours récompensé, il ne faut pas faire le mal parce que le mal est toujours puni. On ne peut plus raconter ça, il suffit d'allumer sa télévision. Je veux dire, Strauss-Kahn est toujours dans la nature, Hollande pense qu'il ne se représentera pas s'il n'a pas inversé la courbe du chômage, mais la courbe du chômage ne sera pas inversée et il se représentera quand même. Enfin, on voit ça tous les jours. Donc vous avez des philosophes qui viennent dire « il faut bombarder tel pays ». Je ne parlerai pas de BHL, j'ai dit que je n'en parlerai pas. Donc, pas de ça chez nous. À qui on fait savoir que bon, on a fait ce qu'il avait souhaité et qu'aujourd'hui, il se passe quand même des conséquences terribles et que si des gens arrivent en bateau sur nos côtes, peut-être qu'il pourrait en prendre quelques-uns chez lui parce qu'il est un peu responsable de ce qui s'est passé. On ne peut pas dire ça. C'est pas bête, ça. Ah oui. Vous pourrez commencer.
crois qu'il a une maison au boulevard Saint-Germain, un appartement, il en a un à Tunis, il en a, on a vu ça d'ailleurs avec de l'argent public, la télévision a montré sa belle maison de Tunis, il pourrait prêter sa maison à 50 réfugiés libyens, ce serait très cohérent et ce serait coïncider avec soi-même, si on voulait vraiment. Donc, le spectacle du monde étant ce qu'il est, on ne peut pas tromper ses enfants. D'ailleurs, ils sont bien plus informés que nous, ils savent le réel, ces petits-enfants. Donc, pas question de leur raconter des histoires sur le monde en disant qu'il n'est pas ce qu'il est, il est ce qu'il est. Reste qu'on peut dire, ça ne passera pas par toi. Le mal ne passera pas par toi, la méchanceté ne passera pas par toi. C'est de l'héroïsme qu'il faut proposer au quotidien des enfants en disant... Ben oui, tu n'auras peut-être pas beaucoup d'argent, tu n'auras peut-être pas beaucoup de pouvoir, tu n'auras peut-être pas je ne sais pas quoi, mais enfin, tu auras ta dignité, tu auras ta droiture, etc. Et ce qui se passe, il ne faut pas raisonner sur des allégories, sur des métaphores, bien sûr, je parle du Titanic, mais ce qui se passe à l'époque d'Épicure, c'est très exactement ce qui a lieu tout de suite. C'est-à-dire qu'on oublie la plupart du temps que le jardin d'Épicure, c'est une réponse individuelle à un effondrement collectif. Dans l'Athènes du IVe siècle. C'est parce qu'on ne peut plus croire en rien dans cette Athènes-là, c'est d'ailleurs le début de la fin pour Athènes, ça va bientôt être l'heure de Rome, qu'il y a des réponses individuelles. Donc, Eric disait effectivement livre pessimiste sur le trajet de la civilisation qui est en train de s'effondrer, mais aussi livre optimiste parce qu'il nous dit que dans cet effondrement, on peut ne pas y contribuer et qu'on aura eu une espèce d'héroïsme à la romaine, je dirais. Eh bien, c'est ce que je propose, que nous puissions être des Romains dans une orgie de bas-empire et qu'on puisse l'être soi-même, le transmettre à ses enfants et le transmettre à ses petits-enfants, si l'on veut, alors que je persiste à vous dire que l'idéal... C'est quand même la ligature des trompes et le... C'était pour vous entendre râler un petit peu. Et la vasectomie. Ça a bien marché. Il faut faire politiquement correct et la vasectomie aussi. Ça a très bien marché. Merci infiniment à Michel Onfray d'avoir répondu à l'invitation de notre édition spéciale. Merci d'être venus si nombreux. Les livres de Michel Onfray sont à votre disposition et je crois savoir qu'il sera un plaisir... de vous les signer. À la prochaine fois. Merci encore. Merci.